Je suis là, j'espère que la connexion donne. Voilà, bien vu. Voilà, coucou. Partagez, hein, c'est pour Billy. Je vais répondre à cet enfant-là. Attendez, je vais voir si ça donne bien. C'est vrai que je préfère m'asseoir, m'installer dehors parce qu'il fait très chaud. Voilà. Il fait très chaud. Voilà. Donc, je vais répondre à une personne. Et je vais répondre comme il se doit. Je vais répondre à quelqu'un. Désolée. Alerte, alerte. Connectez-vous. Je ne peux pas parler. Il fait chaud. Je ne vais pas réveiller le quartier. Connectez-vous et partagez. Il faut partager le direct. Partagez. C'est clair, non? Faut partager. Maman, ah, la chaleur. C'est incroyable. Ah, Poutchou. Je vais devenir ah, Poutchou avec le sopalin. Ouais, maman. Oui. Maman, on peut même pas se maquiller ici, tellement il fait chaud. Partagez. Alerte. Je vais répondre à quelqu'un. Si je suis trop éloignée, je vais rapprocher. Je n'ai pas au Cameroun ici. Bien sûr que je suis au Cameroun, bien sûr. Pourquoi? Faut partager, pardon. Il faut partager. Je vais approcher un peu le. De toute façon, on est trop. J'ai trop loin. Je vais approcher. Aïe aïe, maman. Adama. Il fait chaud. Hein? J'aime trop te voir. C'est vrai. Merci. Ma faut pardon, il faut pas trop, quoi. Ma faut ta coiffure si te va trop bien. Hein? C'est vrai. Florence, Béatrice, Wangi. Attends, hein? Partagez que Billy le gifle à fin. Billy le gifle à fin. Jusqu'à il dit qu'il est un héros. N'importe quoi, t'es jamais répondu. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, maman, j'espère, attendez d'abord. C'est parce que je vois sombre en fait. Peut-être parce qu'il y a le soleil. Billy le gifleur, c'est à ce petit fanfaron fumeur de ndepa. Quelqu'un qui fume le ndepa. C'est à ce petit fumeur de ndepa. Que moi, Fleur de Lys, je vais répondre, assise au Cameroun, chez moi. Ce gars a passé son temps ici. Bipé Billy, je n'étais jamais répondu parce que pour moi, tu étais quelqu'un qui ne servait à rien. J'ai vu ta souffrance. Comment tu pleures. Tu pleures. Comment tu souffres au Cameroun. Tu es rentré d'abord chercher quoi? On vous a dit qu'on rentre au Cameroun comme ça. Billy, je vais te dire tes vérités. Tu as compris? Je suis au Cameroun. Tu as entendu, non? Même le shit pour acheter, tu n'auras pas l'aïdo. Parce que même le petit bout de manga, tu n'auras pas l'argent pour acheter ça. Tu n'as encore rien vu. Tu as compris? N'importe quoi, regarde comment il pleure. Oh, je suis un héros. Parce que tu as giflé ton frère camerounais. Tu as passé ton temps, tu as annoncé depuis que j'étais déjà d'aïe. Tu m'as insulté pendant copieusement pendant longtemps. Je t'ai jamais répondu. Je n'ai jamais répondu à ce petit fanfaron fumé de départ. Ce raté de Mbeng. Parce que je considérais que c'est un petit fumé de départ. Il fumait même que la shit. Le petit shit qui coûte 7 euros.
Tu n'as rien vu. Le Mbanga du Cameroun est avec le soleil ici. Tu vas où? Regardez-moi celui-là. Il pleut quoi? Elle est en 150. Regarde-moi celui-là. De toute façon, on t'a encouragé. On t'a encouragé. Regarde-moi que c'est ce raté-là. Il pleut quoi? Tu as 200 ans de souffrance. Et l'angle, les faux profils qui t'appelaient pour m'insulter, fleur de l'île, gnoc, 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 fleur de l'île. Quand tu me regardes, vous les sales choses de la France là, quand vous me regardez là, moi, est-ce que je vous ressemble? Est-ce que vous et moi c'est pareil? Moi je sors pour boire comme vous, mais la différence entre vous et moi c'est que moi je suis star. Les moutons marchent ensemble, n'ont pas le même prix. C'est pas parce qu'on s'est mélangé en France, on n'est pas pareil. Si je ne réponds pas à certaines sales personnes-là, c'est parce que je ne veux pas les répondre. Ils ne me valent en rien. Ils ne me valent pas. Je vous ai toujours dit que hein, si on me chasse en France, je rentre au Cameroun, je suis bien. Je rentre au Cameroun, hein, ce n'est que les dos qui vont me manquer. Mais je suis sûr que je serai plus à l'aise. Quand même. Tu as compris? Regarde-moi ce petit. Tu n'as pas honte, Billy? À Lyon, tu as couru aller gifler quelqu'un que le gouvernement va te décorer. Parce que tu as fait quoi? Le Cameroun n'a pas besoin de vous pour sa défense. Toi, tu es qui? J'étais patriote, patriote. Tu es qui? Regarde-moi ce petit, ce salade. Je pouvais même t'aider. Je pouvais même t'aider. Si tu étais quelqu'un que de correct, je pouvais t'aider. Regarde-moi ce rat. Tu es parti chez le professeur Maurice Kamto. Il parle chez le professeur Maurice Kamto, il fait le bruit là-bas, il attendait que quoi? Regarde-moi ce petit connard. Tu n'as encore rien vu, tu vas souffrir plus que ça. Tu vas devant la barrière du professeur Maurice Kamto, tu tapes la bouche, et qui? On ne t'a pas répondu parce que tu ne sais à rien. Si je te réponds maintenant parce que ta souffrance c'est le hoha. Et comme je vais te répondre là, tes frères que tu as dit que les écans là, ils vont donc t'aider. Regarde comment t'as rejeté. Un rejeté de la nature. On vous a dit que être écambé dit que c'est un passeport, c'est une pièce d'identité passe-partout. Tu en penses que tu ne travailles pas, tu es que tu es écambé. Tu pars carrément et insulter le professeur Maurice Kamto devant sa barrière. La police ne te prend pas pour t'enfermer. Tu es là, tu traînes partout. Où sont les ministres que tu dirais que tu as leur numéro de téléphone là? Hein? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Quand je suis venu au Cameroun, on m'a arrêté. J'ai eu les problèmes. Tu as dansé comment je vais aller en Kondengui? Même si ce n'est pas en Kondengui, c'est mon pays, non? Le Cameroun n'a pas besoin des gens ratés comme toi. Tu as osé insulter le professeur Maurice Kamto. Tu es malade. Il se lève les bamileke. Un bamileke rejeté. Parce que toi, tu es un bamileke rejeté. Tu ne vaux rien à l'ouest même. Partout, même chez les écans, tu ne vaux rien. Donc voilà, tu te pavanes. Tu as déclaré partout que tu n'es pas bamileke, non? Tu as déclaré haut et fort que tu n'es pas, que ton travail c'est d'insulter les bamileke parce que tu n'as pas honte. Tu gifles quelqu'un en France. Tu sors l'arme sur une personne en France. Tu es recherché. Tu as dit que tu as 99 plaintes. Tu n'as encore rien vu. Tu es rentré. Tu as fait 15 ans en France. Tu rentres sans papier parce que tu crois que le gouvernement va te décorer. Tu es qui? Parce que tu as giflé quelqu'un. Tous les Camerounais sont libres de rentrer au Cameroun aujourd'hui. Voilà, Maître Ngamo, il est venu, non? Vous êtes où là? On va arrêter. Pourquoi? Le Cameroun vous appartient? Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, d'accord? Regarde-moi ce salade. Tu crois que parce que tu insultes les bamileke que ça allait te. Ça, tu allais être quoi? Regarde, tu insultes les bamileke. Tu n'as pas honte? Tu dis qu'un ministre t'a reçu pour manger le McDonald's et les frites? Donc tu as giflé quelqu'un, enfin, ton compatriote, parce qu'il fallait qu'on t'évite de manger le McDonald's. Tu n'as pas honte? C'est tout ce qu'on t'a donné. Donc le gouvernement ne t'a pas donné l'argent pour te décorer. Espèce d'affamé, va. Tu traînes à Lyon dans les bars partout pour boire les formules de Guinness. Te voilà, tu pleures la France. Tu vas rentrer comment? Tu es recherché en France. Tu pensais que tu vas rentrer au Cameroun, tu vas devenir ministre au Cameroun parce que tu insultes les bamileke partout et l'angloise de 150. Tu as compris? Regarde-moi ce raté là. Il a osé insulter. Mais un malade comme ça qui ne sait même pas écrire son nom, tu insultes le professeur parce que n'importe qui va se lever parler du professeur Maurice Kamto n'importe comment. Tu es malade. Donc voilà, tu es rentré au Cameroun. Tu crois que qui va t'aider? Les footballeurs que tu disais là, qu'eux-mêmes ils sont quoi?
Hein? Même tu n'es même pas un homme debout que tu peux même faire le gigolo. Même gigolo type t'a dépassé en France. Aller faire la bordelerie en Suisse t'a dépassé. Tu étais bordel en Suisse avec Victor. Hein? Tu n'es pas sorti avec Victor, un transsexuel qui est en Suisse. Tu es sorti avec un homme comme toi. Tu es ta soeur, tu parles ta bouche tordue, les baminiques. Tu peux parler un baminique, toi. On m'a dit que ta mère était ou bien ce doux là, les baminiques rejetés. Regardez-moi cela. Baminique fier de l'être jusqu'à demain, après-demain. Tu as entendu? Et ça n'enlève pas sur moi que n'importe quoi. Vos petits tribalistes à deux balles là, vous restez qu'en France avec ça. On ne connaît pas. Tu croyais que tu étais qui? Un gars qui est squattable. Tu vois, Basto, c'est quoi? Tu n'as pas menti, c'est que ta mère à la maison à Bastos. Bastos, quand on dit même Bastos, mais tu crois qu'il y a trop les belles maisons là-bas, dis donc. Dis que Oja même. Parce que les maisons qu'il y a Oja, il n'y a pas ça à Bastos. Hein, Bastos. Regarde-moi quelqu'un. Tu n'as pas honte. Même le Mbanga pour fumer va te dépasser. Tu n'auras pas ici. Parce que les Arabes qui te donnaient en bas de l'immeuble, tu étais à Lyon, tu partais à la guillotière, arracher les porte-monnaie des gens à la guillotière. Tu partais si c'est à les Arabes. Parce que les Arabes te donnaient, tu croyais que tu es déjà arrivé. Tu peux te placer devant l'ambassade du Cameroun, tu sais que tu as giflé quelqu'un, tu as faim. Au lieu d'aller travailler, tu as fait quoi en France en 15 ans? Voilà ta vie ratée. 15 ans de France. J'ai giflé. Est-ce qu'il est héros national? Héros à quoi? Un homme peut être héros parce qu'il a giflé son frère. Il est recherché en France sans papier. Il parle de... Tu crois qu'en parlant de Bamileke, que tu devais trop avoir quoi? Tu croyais que je ne te répondais pas parce que j'avais peur de toi. Non, je te réponds assise au Cameroun. Tu es qui? Regarde-moi les gens comme ça. Combien de temps tu as insulté les Bamileke ici dehors? On ne t'a même pas géré parce que tu ne sais à rien. Viens insulter les Bamileke parce que tu as réussi ta vie. Tu as entendu? Regarde-moi un gars, un vaurien comme ça qui n'a rien. Tu insultes les Bamileke. Et là, on nous ajoute. Je pouvais même te donner le travail, même que viens faire le gardinage devant ma maison. Au Cameroun, ils te payent même 50 000. Le gardinage, Thomas Nkono. Et l'an 250. Tu traînes là-bas, tu squattes derrière les écans. Tu penses que les écans peuvent t'assumer? Montre-toi avec un ministre, je vois. Mais un gars, qui va marcher avec quelqu'un qui est violent? Tu croyais que tu avais les amis ministres parce que tu insultes les bamis. Qui t'a dit ça? Tu ne sais pas tous ceux qui sont en haut là, c'est les Bamileke même qui gèrent tout leur argent volé là. Tu ne sais pas ça. C'est nous qui blanchissons ça. Et là, un gars qui a faim, tu rentres de l'Europe, après 15 ans, tu n'as même pas un petit studio où aller. Tu n'as même pas une femme qui t'a, que tu vas gigoler pour aller habiter là-bas. Tu dors par terre, tu n'as pas honte. Jusqu'à tu... Amen, Kamé, lui il est rentré, mais il fait les chants, hein. Et lui, au moins, s'il travaille, il a ses chants. Tu peux faire la comparaison avec lui. Lui, il peut parler parce qu'il travaille, on voit. Tu comprends? Il travaille, on voit, il peut parler fort, on écoute même encore. Parce que lui, au moins, il travaille. Toi, tu fous quoi? Un gars qui va chercher les Arabes au quartier jusqu'à ce qu'il... Hein, j'ai cherché les Arabes qui sont venus pour combattre les... Où c'est les là-bas, c'est monté, c'est descendu. Tel élan... Tu as entendu? Tu vas souffrir. Regarde-moi celui-là. Il est rentré au Cameroun avec 500. Le commissaire Zogoué, où tu n'as pas. Tu rentres après 15 ans de l'Europe avec 500 euros. Ouloulou. Le billion souillé des Camerounais. Tu ne souilles pas les écans. Tu souilles les Camerounais. Ouloulou. 500 euros, maman. 500 euros qui ne vaut même pas. Je ne sais même pas quoi. Ça ne vaut même pas un banc public ici. 500 euros, 300 000, tu as mangé ça, tu as fumé le bang avec ça, une journée c'est fini. Et tu croyais que c'est les millions? Benito, voilà, tu m'avais écrit quand tu es rentré. Oh, j'ai fait arrêter. Tu m'avais dit que c'est toi qui avais fait arrêter Lolo, non? Tu as écrit, j'ai fait arrêter une blogueuse. Tu peux faire arrêter qui? Tu es qui? Mais que les vrais gens même font arrêter. Un gars qui a raté sa vie, maman, quand tu demandes son... C'est quoi son parcours en Europe? Il n'a aucune formation, il n'a rien sans papier. Tu as bossé, tu as pris le risque de ta vie. Tu as pris la mer. Tu as traversé le désert. Tu te fais faire ce qu'on dit là en route. Tu te fais chouquer partout en route. Tu reviens en avion, tu vas, on te rapatrie au Kamouska. Tu es assis comme ça, tu n'as pas où dormir. Ouloulou, quelle honte de la famille. Va te faire laver au village. Je te dis que
les injures que tu as données au professeur Maurice Kamto, tu vas payer ça même 200 ans. Tu as compris? Commissaire Zogo a dit qu'on t'a abandonné, que les gens la tête ont voix. Que les gens la tête ont voix. Tu n'as pas honte, tu vas parler devant un professeur comme ça? Tu viens, tu te mélanges avec tes gens là, tu as voulu te mélanger pour parler à Fleur de Lys. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien. J'étais de rendez-vous à Lyon. J'allais te donner deux belles gifles à Lyon. Tu es venu à la Guillotière. Si tu étais une... j'allais te montrer que je suis une racaille. Tu as entendu? Parce qu'on ne t'a pas répondu. Il s'est assis. Hein, le professeur Maurice Kante, hein, machin, les Bamileke, un raté comme ça là. Tu n'as pas encore souffert. Tu vas souffrir plus que ça. Tu vas souffrir plus que ça. Et lent. Te voilà qui traîne. Tu crois que tu vas dormir où? Regarde-moi un bandit comme ça. Il a fait les photos. Je vais appeler David Teto. Je vais lui dire que tu as fait les photos avec un bandit là. Que il se vante partout que tu es son ami. Souilleur des gens. Tu es élan. Tu as entendu? J'ai défendu le Cameroun. Regardez-moi quelqu'un. Jusqu'à il dit qu'on va le décorer. Je vais faire comment? Je suis un héros parce que tu as giflé quelqu'un pour l'acheter. Un Camerounais qui a dit qu'il n'est pas content du système. Il allait marcher là-bas pour combattre, que je marche pour démontrer que je ne suis pas content. Le président de la République du Cameroun a dit que tout le monde est libre de venir au Cameroun. Qu'on n'interdit plus personne l'entrée au Cameroun. Tu as entendu? Il dit qu'on le décore. On décore quelqu'un qui a faim. Si on te décore, nous qui embellissons le Cameroun, toi tu as fait quoi pour le Cameroun? Parce que moi je suis en fait, donne le travail aux gens. Même seulement chercher quelqu'un pour dire que va mettre un clou là-bas, étant en héros, ça tu payes la main d'œuvre. Tu aides déjà une famille. Regarde-moi une saleté comme ça. Je suis assise dans mon palace. Ce n'est même pas chez moi. Mais c'est toujours comme si c'était chez moi. Tu as compris? Je suis assise dans un cadeau que j'ai offert à ma mère en 2005, que j'ai retapé, que même en Bénin, il n'y a pas le genre de maison aussi. Tu as compris? Tu pourrais même y dormir au gazon. Billy, tu n'as pas honte, tu manques où dormir. Je pouvais te donner même la place, tu dors au gazon sur le banc public. Ouais. Willy, où c'est Billy? Tu pouvais dormir là-bas, sur un banc public. Tu pouvais dormir même là-bas, sur un banc public. Tu as compris? Sur un banc public, tu dormais là. Je te donnais la place, tu dors. Tu as compris? Je te donnais la place, tu dors. Le banc public, tu dors là. Pour montrer que... Après le direct, je lui envoie 20 000. Jusqu'à il fait le direct, il me demande pardon. Qu'il demande pardon à tous les Bamileke qu'il a insultés. Billy, si tu veux manger aujourd'hui, tu demandes pardon à tous les Bamileke publics. Tu fais un pardon public à tous les Bamileke. Je te donne même la place, tu te couches ici. Tu dors en terrasse. Tu as compris? Tu penses qu'on rentre au Cameroun comme ça? Moi, je peux rentrer. Parce que j'ai où dormir. Pas les sales choses qui m'insultent là-bas en France. Là. Est-ce que eux et moi, c'est pareil? Roberto Nga nous dit qu'il paraît que tu utilises mon nom dans le lave. Il y a quoi? Billy a faim. Billy, tu n'as pas honte d'avoir faim. Quand on dit qu'une bengue s'est rentrée, je dis qu'on arrache, même les Français arrachent leur kaolo. Je rentre, je suis chez nous. Tu as compris? Pas les sales choses qui m'insultent. Tu m'as traité de prostituée, qu'elle vend le piment. Maman, tes soeurs ont vendu le piment des décennies et dorment encore dans les chambres de leurs parents. Tu as compris? Dans les chambres de leurs parents, elles dorment là-bas. Viens, je te donne, je suis un exemple à suivre. Regarde-moi une sale chose comme ça là. Tu as entendu? Billy, moi je te réponds aujourd'hui parce que tu n'es rien et que tu t'es allié avec les gens pour m'insulter. Regarde où je vis, au Cameroun. Regarde où je dors. Tu as vu, j'ai tout. Je bois mon vin. J'ai dit que je suis chez moi. Tu as vu? Tu as compris? Te voilà en faux profil en train de m'insulter.
Mon frère, si je suis une bordée, ma bordellerie, ça a un beau résultat, mon frère. On ne peut que rêver de ça, mon frère. Tu dis que bordel, mais si je suis une bordée, mon frère, je suis une bonne bordel alors. Ça dit que je suis chez moi, mon frère, même en bain. Tu parles de quoi? Hein? Tu parles de quoi? Je suis assise chez nous. Tu crois que quoi? Tu dis que bordel. Je suis en train de te voir commenter. Tu n'as pas honte. La famine va te tuer, mon frère. On ne rentre pas en Afrique comme ça. Moi, je peux rentrer. Tu as compris? Tu es vraiment une saleté comme ça. Tu t'as dit, tu as insulté le professeur Maurice Kamte. Hein, machin, tout ça. Je pouvais t'aider. Je pouvais te donner l'occasion. Tu dors, tu te couches là-bas. Sur le banc public, tu dors, Billy. Je te donne la place, tu dors. Tu as compris? Je suis un exemple, Roha. La personne qui ne veut pas me mettre. Ou tu viens, tu dors au canapé. Je n'ai pas fini, je suis en train de monter encore. Tu as vu? C'est l'Afrique, hein? C'est l'Afrique. Je n'ai pas encore fini, je suis en train de faire le montage. C'est l'Afrique. Tu as compris? Et l'an 150. Jusqu'à dire qu'il a giflé quelqu'un. On doit lui donner le trophée. Parce qu'il a giflé quelqu'un. On t'a dit que parce qu'on est en France, on se mélange, qu'on est pareil. Qu'on est pareil. Parce qu'on fait souvent, on parle, je ne dis rien. Hein? Parce qu'en France, les gens, ils sont là, ils parlent, je suis là souvent, je ne dis rien. Billy, tu vas souffrir. Tu vas faire le direct, tu demandes pardon d'avoir insulté le professeur Maurice Kamto et d'avoir insulté tout le monde. Tu as compris? Te voilà aujourd'hui. Tu rentres au Cameroun, tu pleures comme un enfant. Oh, je n'ai rien à manger. Seigneur, tu n'as rien à manger. J'ai le conteneur des pâtes. Ce n'est pas mon conteneur, mais j'ai aidé quelqu'un à vendre. Je pourrais même te donner même 50 paquets de pâtes. Si tu avais même la maison, même si je te donne pour t'aider, tu vas préparer ça où? Tu vas préparer ça où? Tu penses qu'on drague une femme en... Les filles sont devenues sages au Cameroun, mon frère. Donc toi, tu es rendu au Cameroun parce que tu crois que tu vas... Tu ne sens même pas l'odeur de Mbeng parce que tu n'as plus le parfum. Que quand tu étais là-bas, tu sentais d'abord bon. La casquette de Ducamel que tu avais arrachée. Hein? Si je te donne même le riz, même le sac de riz, tu vas préparer où tu n'as pas la maison. Tu dors chez les gens. Tu rentres sur Okamo en croyant que tu partais. Est-ce qu'il dit qu'un héros, je suis un héros national, j'ai giflé quelqu'un. Donc c'est tout à part là-bas, Billy. Ya, shame for you. Crions sur lui. Crions sur lui. Un Camerounais. Tu dormais même ici au couloir. Billy, tu vas sauver 300 ans. J'ai dit que la malédiction que tu insultes le professeur Maurice Kamto et les Bamiyeke matin, midi, soir. Tu vas souffrir ça jusqu'à. Billy, tu vas souffrir. Oh. Tu fumes le Ndepa. Tu fumes le Ndepa. Ouais, les Bamiyeke, ouais, Fleur de Lis, moi alors, hein, tu m'as pris. Quand tu me regardes, tu peux essuyer ma chute. Tu peux même essuyer le sol de chez moi. Parce que j'ai comme impression, comme on est en France, on se mélange là. La France, c'est des mélanges. Ce n'est pas parce que moi, je suis une fille qui jongle l'alcool, que je sois avec les gens, je bois. Moi, je bois avec les autres. Mais moi, je réalise. Je réalise, même on me décourage. Mais je continue toujours, mon frère. Le tout, c'est de me faire plaisir. Viens m'asseoir chez nous. J'arrange notre maison et m'asseoir là. Sinon, d'habitude, je viens souvent, n'est-ce pas, je suis dans les meublés là-bas. Je vais laisser notre maison qui est là. Il n'y a même personne. Il va aller rester meublé. Que je cherche quoi dans les meublés. Je connais qui ici. Moi, je n'ai pas d'amis au Cameroun. Ah non, 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 moi j'ai pas les amis, je suis partie depuis. Ça fait 21 ans que je suis partie. Donc j'ai pas d'amis, je suis même là, je m'ennuie. Je ne dors même pas parce que je m'ennuie jusqu'à je ne sais même pas quoi faire. Parce que je vais rentrer seulement à Yaoundé. N'est-ce pas avant qu'elle veuille lancer direct, ah, les gens qui veulent venir, je ne peux plus faire ça parce que c'est que ma vie est risquée. On dit qu'il y a le poison dehors. Qu'on tue les gens, hein. Donc du coup, il m'enferme seulement, il reste celui-là. Je suis là, il ne sait pas quoi faire. Je m'ennuie, je dors même, le sommeil ne vient pas. Parce que les mêmes personnes à qui taper les commentaires. Je veux moi bac seulement. Je bac, je reviens avec mes amis. Oui. Tu viens là parce que les gens, les filles se mettent sur Facebook. Elles font rêver les gens. Moi, je peux faire rêver mon frère. Je reste simple parce que je veux. Quand tu vois là, il y a les hommes même qui ne me valent même pas mon frère. Tu penses que moi, je peux envier. Je peux envier seulement que je être avec un homme parce qu'une femme doit être avec un homme. Sinon, tu crois qu'un homme peut m'impressionner avec quoi? Hein? Que moi là où je suis là, un homme peut m'impressionner avec quoi? C'est plutôt moi qui dois impressionner. Quand il voit, il a peur de moi.
Si je suis avec un homme, ce n'est pas parce que je cherche un milliardaire, mon frère. Je cherche seulement quelqu'un même que il va venir me gratter même le dos. Donc voilà, tu rentres de Benke quand tu étais un même ancien Benguete. Une femme te prend ici au Cameroun et t'héberge. Donc voilà, ta part est finie. Tu es rentré totalement de l'héros, maman, en fuyant les procès. Tu as dit que tu as 99 procès contre toi. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas. Tu as fui l'Europe. Tu as fui Ben, les procès. Tu as menacé avec l'arme à bout portant. Tu avais pris l'arme où? Tu as menacé quelqu'un en plein direct avec l'arme. La France te cherche. Et quand la France te cherche, ça veut dire que c'est tout l'Europe qui te cherche. Tu es recherché en Europe. Tu vas aller où? Tu ne peux que te cacher ici. Tu vas encore reposer. Tu n'as pas honte? Et c'est ça qui a osé insulter le professeur Maurice Kamto. Tu as osé insulter un intellectuel. Mais c'est pas possible. Jusqu'à dire qu'il a giflé quelqu'un. Le président Paul Biya ne vous a jamais envoyé aller le défendre. Il y a le Cameroun a il y a l'armée. Vous ne faites pas partie de l'armée pour aller défendre qu'on défend les institutions. Vous êtes qui? Pour partir soi-disant vous défendez le Cameroun. Qui vous a envoyé? On va commencer à contrôler vos pièces d'identité. Si vous allez, nous aimons plus le Cameroun plus que vous. Parce qu'une personne qui aime son pays, investit dans son pays, fait quelque chose de concret dans son pays. Moi, je ne suis pas une fieuse. J'aime mon pays, c'est pour ça que je suis stable dans mon pays. J'entre où je... C'est ça, l'amour de son pays, c'est quoi? Tu dis que tu aimes le Cameroun parce que tu t'assois, tu insultes les gens sur les réseaux. Ça fait de toi un patriote. Vous connaissez ce qu'on appelle le patriotisme? Hein? Quelqu'un qui s'assoit chez le blanc, insulte le Cameroun, est patriote en quoi? Un patriote, celui qui défend son pays, oui ou non? Dans le bon sens, non? Eux, ils sont les patriotes de quoi? Pour aller manger. Heureusement que la connexion est gratuite en France. Ici, là, j'ai déjà chargé 30 000, 15 000, 15 000. Ça coûte cher. Merci à tous ceux qui me suivent souvent. Vous savez pas que vous dépensez beaucoup d'argent comme ça. Je ne vais plus durer en direct. Excusez-moi, les abeilles. Je ne vais plus durer, hein? Ça coûte cher. Voilà quelqu'un qui paye 19 euros par mois pour la connaissance. Il vient insulter toute une tribu, toute une nation. Il a insulté le Cameroun. Et quoi? Est-ce qu'il demande d'être reçu à l'ambassade du Cameroun? C'est pas possible. Mais on est où là? C'est quel pays? Heureusement qu'on l'a chassé comme une vieille chaussette. Il voulait que l'ambassadeur le reçoive à Paris parce qu'il a giflé quelqu'un. Un chinda de l'ambassadeur l'a donné le McDonald's, les frites. J'ai mangé à l'hôtel Intercontinental. Intercontinental, c'est quoi? Moi, je peux aller dormir là-bas si je veux. Est-ce qu'Intercontinental, c'est quoi? On t'a récompensé avec les frites. Ce n'était pas une récompense, c'était pour te calmer. Parce que même le gouvernement a dit que celui-ci a trop faim, il a raté sa vie. Qu'on lui donne un plat de McDonald's avec un verre de vin. Regarde-moi ça. Souilleur des gens. Et c'est ça que tu appelais qu'on t'a reçu. J'ai mangé là-bas jusqu'à Amer Kamer s'énerver le jour-là. Ah, je suis en bas. On ne m'a pas reçu. Recevoir quelqu'un qui a faim. Amer, tu n'as pas faim. Tu fais ça et te vois, tu manges ta nourriture. Billy, c'est un gars qui a toujours eu faim, même en Europe. L'Europe où on partage la nourriture aux gens qui ont faim. Billy, tu es rentré chez Choco au Cameroun. On vous a dit qu'on rentre comme ça. Moi, je peux programmer rentrer. Mais rentre pas encore. J'attends de trouver un mari. Quand je vais trouver mon bon mari, je rentre. Je vais rentrer faire quoi? Il court, il vient carrément dire qu'il rentre au Cameroun. Il, quoi? Il a fait quelle formation? Hein? Le premier jour qu'il est rentré, il va à Basto là-bas chez le professeur. Il commence à faire le bruit. Hey, je vais le tuer, je vais faire ceci. Les gens passaient seulement le regarder. Qui l'a suivi? Jusqu'à il voulait dire qu'il organise la marche. Il peut organiser quelle marche? Moi, je peux organiser une marche au mal parce qu'on a confiance en moi. Toi, qui a confiance en toi? Tu en as fait quoi de bon? Moi, je vais organiser la marche des femmes blessées de guerre. Oui. Toi, tu viens. Franchement, que les commissaires Zogo t'aident alors. Lui-même, il peut rentrer au Cameroun, on va l'accepter. Mais lui, il est là-bas, il travaille par moi comme tout le monde. Qui est riche en Europe? Tu as vu quelqu'un? On est riche en Europe. On peut être riche là-bas. Quelqu'un peut dire qu'il se souvient en Europe. Tout le monde est jongleur. Les vrais riches vivent en Afrique. Quand on dit qu'on a les moyens, on vit en Afrique, on ne vit pas en Europe. En Europe, on paye tout à crédit là. Ici, c'est le cash. C'est le cash.
Pas de mailler la maison, non. Je suis héros national. Moi, un héros, un fumeur de banga. Un fumeur de banga peut être héros. Tu fumes le banga, tu es héros en quoi? Quand on décide de rentrer au pays, c'est parce qu'on rentre qu'on est capable d'avoir ce qu'on veut. Je suis venue en vacances, je suis venue avec mes bouteilles d'eau. Les périers, j'ai envoyé mon eau. Tout. Tu parles de quoi? Même une femme que tu vas draguer, dès que tu vas lui dire que non, j'étais en France et je suis rentrée, elle va... Tu vas donner espoir à qui? Tu peux draguer une galère, Bengi sans descendre, pas descendre, non. Ils vont Nyaslinga, Njo jusqu'à parce que... Ils vont bien Nyaslinga, Oko. Toi, tu vas te mélanger parmi les vrais Bengis. Tu es un ancien Bengis déchu, donc tu ne peux même pas te mélanger. Nous, on ne veut pas vous voir à la canne. Ceux qui ont raté leur vie en Europe. Mais que nous, on cherche à go, toi, tu pars là-bas, tu fuis. Tu es parti sortir. Tu as même eu l'occasion de sortir avec certaines filles-là qui sont en manque du banzizi. Tu es sorti avec les filles-là. C'est toujours fini quoi sur les réseaux sociaux. C'est toujours fini quoi sur les réseaux sociaux. Hein? Jusqu'à tu avais osé dire que j'étais draguée. Franchement, moi, je suis la nourriture du gros poisson, mon frère. Peut-être que moi, je suis à la chasse du mariage. Je suis bonne pour être maîtresse, mon frère. Pour être Njomba. Njomba a titré, mon frère. Njomba a titré en attendant le jour. Mais je ne fais même pas les choses comme ça. Que Njomba a titré les choses comme ça. Je ne fais même pas ça. Donc, Billy, ce que je vais te dire, c'est que je n'ai pas pitié de toi. Que ceux qui ont pitié de toi cotisent pour t'aider. Je n'ai même pas un peu pitié de toi. Parce que tu as été très bête. Je pourrais même te faire Orange Money là. Hein? Tu es là, on dit que les hommes debout, même qu'ils font le gigolo. Tu vas gigoler quelle fille ici en bain. Quand tu fumes le banga, tu peux dormir quoi? Tu peux niaise quoi? Tu peux niaise quoi, maman? Un gars qui fume le banga en longueur de journée avec le soleil cigare. Tu ne peux pas. Allô? Bonjour. Ouais, ça va? Ouais, bien. Je suis encore au Cameroun. Non, ça va, je suis au Cameroun, là. Ah, tu es au Cameroun, tu as Douala ou à Yaoundé. Ah, tu as Yaoundé, bon, je vais... Moi, je suis à Douala, mais je vais arriver à Yaoundé peut-être demain ou après-demain, là. Ça va, sinon? Non, je t'appelle quand je suis à Yaoundé, hein? Ouais, je vais t'appeler quand je serai là-bas. Quand je suis à Yaoundé, comme je ne connais pas beaucoup les quartiers, là, tu vas à la Sanza, mais chez tonton Honoré, là, ouais. Là-bas, ou bien au Diega, en face de... Il y a un truc là, le Bucaro. Un hôtel là, en face du Bucaro. Non, je ne suis pas là-bas. D'accord. Ouais. D'accord, ça marche. Mon programme aujourd'hui... Bah écoute, je vais manger, j'attends de manger, après je vais sortir, je vais regarder, j'ai beaucoup de choses à faire. Ouais, ça va, t'as rien à signaler, ça va, tout va bien. Merci, je t'embrasse. Ouais. D'accord, je suis là. De toute façon, je vais rentrer, je reviens... Je vais rentrer fêter Noël avec les enfants. Après les fêtes, après Noël, je vais revenir, comme je t'avais dit là. C'est ma petite fille, elle va fêter son premier Noël. Elle aura 3 mois le mois prochain. Je vais passer Noël avec elle. Je suis mamie, hein. Je suis une grand-mère, hein. Ouais.
J'aime bien tes locks. J'aime ta coiffure. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'ai vu que tu as fait la coloration. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais, d'accord. Je t'embrasse, ma chérie. Bisous. D'accord, ça marche. Ouais. Ok, ça marche. Merci. Merci à toi également. Ouais. Donc, on est subi. Ça fait combien de temps que je suis en direct? Peux couper, non? Moi, j'ai des choses à faire, gars. Il fait trop chaud. Yes. C'est pour ça que je vis dans la chambre, mon frère. Non, doit la sienne. Moi, je sens qu'il va acheter la maison à Yaoundé. Douala, si franchement, il fait trop chaud dans cette... À Douala, moi, je crois qu'il va m'installer, moi, à Yaoundé. Vraiment. Trop chaud. C'est quoi, ça? Oh, c'est pas possible. Voilà. En passant, dans le conteneur, il y a le sapin de Noël. Il y a le sapin de Noël. Le sapin de Noël commence à 10 000. Je parle, mais on fait le commerce en même temps. Non, je pense aux choses que je ne vous ai pas dit. Donc, dans le conteneur, il y a les sapins de Noël. Et c'est les bons sapins et tout. Ce n'est pas les histoires, vous comprenez, non. C'est le chinois qui fait tout. Mais le chinois fabrique selon les pays. Donc, vous pouvez prendre votre sapin de Noël et tout, quoi. C'est à partir de 10 000 jusqu'à 30 000. Le plus grand, là, il y a le plus grand qui a 30 000. Il y a le moyen qui est peut-être à 20 000, après le petit qui a 10 000 quoi. Donc il y a trois tailles. On revient sur Billy. C'est flou. J'ai chaud, pardon. Je vais aller rester dans ma chambre. Il fait trop chaud. Il est 12 heures. Mon programme de la journée, je dois le faire. Donc comme je disais là. Oh, voilà. Le remplisseur des salles est déjà à Paris. Vraiment, ça c'est bien ça. Les gens aiment Ya. Le Ya de ça. Toujours en train de Ya. Quelqu'un gifle un Camerounais, il réclame qu'il est héros. Moi, votre Billy, qui était héros national parce qu'il a agressé quelqu'un. Ça c'est l'agression. Même l'ambassade du Cameroun a porté plainte contre toi, hein. L'ambassade du Cameroun à Paris. Oui. L'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun. Tu es valable, ma chérie. Merci pour vos bons commentaires. Hein. Elles sont jolies. Tu n'auras. Ah ouais. Ma fossile, tu es très nyanga. J'aimerais être ton gars. Laisse ça, regarde. Tu dis que tu aimerais être mon gars. Vraiment, mon frère. Donc, toi, tu penses que au moins tu travailles, papa. Tu travailles au moins. Donc, ma part, Dieu a seulement créé que je vais toujours être avec quelqu'un qui ne va pas m'aider. Mon frère, j'ai aussi besoin d'un gars qui m'aide, mon frère. Toi, tu es ici. Regarde ta photo. Tu as le chapeau sur la tête. Hein. Te voici, ma faux, pardon. Je vais être ton gars. Attends, je te regarde. Donc, quand tu me regardes, Dieu a seulement décidé que je vais toujours être avec les gars qui ne sont pas milliardaires. Moi, je vais manger quoi? Hein? Je vois ta photo, et pardon, je vais être ton gars. Tu as déjà promis à combien de filles? Tu as Douala avec la chaleur aussi. Moi, je ne veux pas. Ouais! Je vois ici que tu as Douala. Hein? Donc, tu veux être mon gars. Donc, toi, donc, quand je te vois comme ça, avec la chaleur aussi, tu vas être mon gars comment? Avec la chaleur aussi. Gars, moi, je ne cherche pas moi, vraiment. Moi, j'avais seulement un bon gars que. On tape le commentaire, on boit le vin. On finit dans la toumbim. Après, je dors. Parce que là, depuis que ça arrive, je ne dors pas. Je n'arrive pas à m'adapter, je n'arrive pas à dormir. S'il y avait un bon gars qui me secoue, il n'y a personne, non? La matinée n'est pas là. Donc, il peut... Ou bien, comment là-bas, ben, je ne fais pas, je viens m'en causer, je ne fais pas. C'est normal. Donc, si j'avais un bon gars là, n'est-ce pas?
On coupe, non. Mais c'est pas le genre de gars que maman, moi je suis plus au niveau du poisson braisé. Il y a une personne qui m'a insulté l'autre jour que, parce qu'il était en train d'aller fêter. Oui, je sens que si on te donne la, si un gars te donne la bière, tu vas dormir avec lui. Tu sais que, il y a les commentaires que franchement, c'est que ça m'énerve pas que quelqu'un dise ça, mais ça me fait rigoler. C'est que tu vois une fille comme moi, indépendante, qui a bâti une vie, qui a un patrimoine. Toi, tu dis qu'un gars peut me draguer avec la bière. Tu comprends? Le gars m'a dit ça. Hein? Oui, je sens que si on te donne la bière. Carrément, hein? Oui, je sens que si on te donne, un gars te donne la bière, tu vas dormir avec. Non. Je peux dormir avec un gars pour rien. Je suis pas un bordel, moi. Est-ce qu'il y a besoin qu'un gars me donne quelque chose pour dormir avec? Si un gars me plaît, il sent bon, il me plaît, il a les bonnes manières. Pas vos riches là qui n'ont pas de bonnes manières là. Parce que être riche ne veut pas dire avoir les bonnes manières. Parce que moi je suis d'abord une fille que j'ai la grande gueule. Moi si un gars est même milliardaire, il me parle mal, je ne peux pas être avec parce que je vais le traiter. Donc, moi j'ai besoin d'un gars qui a les bonnes manières. Oui ma chérie, la tendresse. Oui ma chérie, bébé, est-ce que je peux te servir? Pas le genre de gars sauvage que machin tout ça là. Mon frère, est-ce que tu as les bonnes manières? Je ne connais pas. Mais toi voici assis ici au soleil. Hein? Tu es assis au soleil à Douala. Tu me dis que tu veux m'épouser. Eh Seigneur, pourquoi moi je reste pas un bon gars vient m'épouser comme les gars de Coco Emilia là, les milliardaires Francis, les gens. Les grandes filles, les caribots, les NK, les gens qui sont, les filles qui sont seulement mariées au bon gars. Toi, tu viens là avec ton chapeau sur la tête, sur le soleil. Tu dis que je vais être ton mari. Adama, on peut faire ça. Ou bien tu peux aussi dire que mon père était, ton père était qui? Ou bien c'est ton frère aussi est quelque chose. N'est-ce pas tu? Que mon père, tu peux aussi dire que mon père était, ou bien mon père est. Ça aussi, au moins, je peux aussi comprendre que devant mes copines, elles vont dire que tu es avec qui. Je ne vais pas donner ton nom, je vais donner le nom de ton père, que non, c'est le fils de. Oui, c'est son frère qui est. Tu vois un peu, comment ça couvre aussi devant mes copines, mon frère. Tu vois un peu, c'est ça. Moi, je suis seule, je m'ennuie, c'est vrai, mais. Je préfère être seule. Quand je vais finir ce que j'ai à faire, moi, je n'ai pas les copines ici. Je n'ai pas les copines. Pour dire vrai, les copines que au Cameroun, ma copine, c'était elle, tout ça, là, moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas. Je n'ai pas. J'ai la famille. J'ai mes cousines. Tout ça. Mais je ne peux pas aller faire la fête avec mes cousines. Tout ça là. Parce que quand ils vont aller voir ma sale vie alors, est-ce qu'on montre alors son côté négatif à sa famille? Tout le monde sait que je suis une fille bien. Quand elle veut maintenant être avec la famille, moi je ne fais pas la fête avec la famille. Je ne peux pas boire avec ma famille ou bien traîner. Non. Alors, des fois quand tu es avec la famille même, ce n'est même pas toi qui dépense ou bien tu as même peur. Parce qu'ils vont te dire que la valet est en train de dépenser là-bas. Au lieu de nous donner, la valet elle est en train de dépenser. Oh, elle est en train de passer. La famille est très regardante. Hein? Donc, moi, je ne traîne pas avec ma famille, avec la famille. Ma cousine qui était là, qui faisait la fête avec moi quand je venais au Cameroun, elle est aux États-Unis aujourd'hui. Donc, elle aussi, elle va arriver là même. Après, j'ai encore ma cousine, elle est mariée. Vous savez que les femmes mariées au Cameroun ne sortent pas pour aller au Njoka. J'ai encore ma tata, elle est mariée aussi. Bon, je vais aller avec qui? Leur mari, alors, je vais aller avec qui? Hein? Elles sont mariées, oh. Donc, moi, je vais faire comment, alors? Donc, je suis obligée d'être là, je m'ennuie. Pour dire vrai, moi, je ne me sens pas bien ici, parce que je m'ennuie, je suis seule. Non, moi, je, franchement, je n'aime pas les gens pour aller faire la fête, pour aller Njoka, tout ça, là. C'est au moins que j'avais les gens ici que pour aller Njoka, tout ça. Oui, mais rester comme ça, tourner comme ça, seule, non.
peux pas. Je rentre et rester là-bas. Je te dis. Au moins, quand je suis à Pago, je sors, je m'amuse. Ou bien, rentre à Yaoundé, non. Il y a des gens qu'il connaît qui sont venus. Voilà, donc, du coup, on a bien parlé. Du coup, j'attends de manger. Hein? J'attends de manger et après. Après, je vais aller en ville. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois aller en ville. Je vais aller en ville. Et après, oui, je vais aller en ville. Je vais aller chercher le salon de jardin, un truc à manger là, avec le parasol. Ouais. Qui m'appelle? Oh, par contre, je peux pas prendre. Parce que je vais prendre après. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre quand ils sont en direct. Choupi, je te fais des gros bisous, mon cœur. Je t'embrasse. Je vous aime. Maman, je continue avec mon montage, non, ma. J'ai quoi? Je monte mes chaises. Il n'y a même pas les vis. Je ne sais pas comment je vais faire. Il n'y a pas les vis pour monter. Donc, bisous, je vous embrasse. Bonne journée, non. À ce soir, si j'ai la connexion, n'est-ce pas, j'attends quand les lumières, le soir, je lance le direct, non. En attendant, je vais d'abord aller dormir. Parce que j'ai déjà trop bu, là. Et quand tu bois même l'alcool seul, ça ne descend pas. Quand tu bois seul, si j'avais même les potes, là, et venez, on boit. Pas les potes ici, hein. Moi j'ai pas les potes ici, les potes qui sont aussi venus et venant, on boit, on fait la chop, on mange. Mais je vais alors faire ça avec qui? Dieu éternel aussi est occupé. Hier il m'a dit qu'il va venir, il n'est pas venu. Donc du coup je pense qu'il est aussi occupé, hein. Il travaille beaucoup aussi, hein. Donc du coup mon Cameroun, vraiment c'est bien, mais moi j'aime aller fêter. Maintenant là, avec vos traumatismes là, que wow, si tu sors, wow, maintenant, moi voici, je suis là. Donc, je vais faire la publication, je mets le numéro parce que je ne vais pas décrocher après. Je vais me coucher, je vais dormir. Je vais dormir, je me réveille à quelle heure? Il fait très chaud. À 15h, je me réveille. Je vais me coucher, me réveiller à 15h. Et tout. On se dit à tout à l'heure. On a même fait une bonne sauce gombo. Avec le watafoufou. Oh, le Cameroun est bien. Billy, me voici ici. Hein. Je suis en train de boire, je fais ça là. Hein. On a été préparé pour moi. Mm-hmm. J'aime même le cuisinier. Je ne suis pas obligée de toucher à quelque chose. Mais comme j'aime faire moi-même. Parce qu'on dit qu'on rentre au pays, il faut avoir les moyens d'abord. Tu rentres au pays, tu n'as rien. Tu n'as rien. Ça, c'est franchement, hein. Même si je suis un membre de ta famille, gars, je ne peux pas te prendre. Et les vieilles chouettes qui te promettaient le mariage. Voilà Victor en Suisse, que tu es sorti avec. Jusqu'à aller enceinte un transsexuel. Tu as enceinte un transsexuel en Suisse. Tu as nié la grossesse. Tu as enceinte un homme comme toi. Tu nies la grossesse. Jusqu'à elle a retiré. Ouais. Qu'au combat patriotique. Vous avez cru qu'il y a l'argent dedans. Bon, la secte de la base qui est déjà tombée, qu'ils arrachent maintenant les porte-monnaie des femmes en route, que les Camerounais ne vont plus passer. Voilà ça qui est tombé. Ça s'est dissous. Vous êtes pareil. La basse là, de maintenant, ou c'est la basse rouge, ou c'est la basse quelle couleur là. La basse avec les vieilles chouettes dents écartées là. La fausse basse là, qu'ils ont agressé Aïcha Kamouas. Mes chers frères et sœurs, vous êtes en Europe, vous êtes dans un pays de liberté. Même le blanc ne peut pas te dire ne passe pas sur la route. Je m'adresse aux artistes camerounais.
N'acceptez pas l'ombracata des gens de la base là que avec les vieilles chouettes qui n'ont pas de gars comme moi. Elles n'ont pas. On est pareil. La différence c'est que moi je suis au chaud. Elles sont dans le froid en train de trembler que hey, Fleur de Lys, elle passe ici. On va boycotter, on va boycotter. N'acceptez plus les gens là. Les artistes, ne vous laissez pas faire. Ils ne sont rien. Vous êtes en règle. Faites seulement tout pour être en règle. Parce qu'on sait que les Africains aiment trop le faux. Donc, ce qui fait que quand vous faites les soirées, là, demandez aux organisateurs que tu as déclaré. Quand l'organisateur a déclaré tout, 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 tu as peur de quoi? La basse, où c'est grise, la basse, gnasse là. La basse de la gnasse. Ceux-là, c'est seulement la gnasse, les tous pas. C'est ça qu'il y a là-bas. Jusqu'à ils donnent l'essence interdite aux Camerounais. Tu ne vas pas passer ici. Toi, tu ne vas pas passer ici. Parce qu'ils sont les qui? Et vous, les artistes, vous négociez quoi avec eux? Les fumeurs de départ comme ça. Hein? Les basses fumeurs de départ. La base de fumeurs de départ, de tous pas des vieilles chouettes. Vous négociez quoi? On ne négocie pas avec l'ennemi. On ne négocie pas avec les terroristes. Oui. Ne vous laissez pas faire. Nous, les Camerounais, on va les combattre. On va les combattre. Ils ne peuvent rien faire. J'ai dit que... Ils ont dit qu'ils vont me boycotter les mariages et aller boire dans l'Ouganda. J'ai dit que Fleur de Lys, tu vas me boycotter d'aller boire dans l'Ouganda. Me voici, je suis en train de boire, non? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont me boycotter les, aller dans les mariages? Que oui, quand on va l'inviter dans les mariages, on va aller la boycotter. C'est la fausse basse là-bas. Une vraie basse ne peut pas interdire à nous, la jeunesse, d'aller se battre. Lorsque arrive en Europe pour vendre ses livres, eux viennent dire qu'on les a donné le corrigé de ça. La souillou était de XXL. NK les a fait quoi? Aïcha Kamoua, c'est une petite fille brave. Elle a respecté les mères là. Je vais mordre quelqu'un avec mes dents. Quand vous aimez Yak, vous allez interdire, vous bavardez seulement. Tu vois un homme d'affaires dans son truc, dans un truc en train de manger. Vraiment, avec le froid si. Elle ne passe pas. Elle ne passe, vous êtes dans le froid. Prenez même la couverture, non? Tu prends la couverture, tu mets sur toi, tu te couvres. Vous êtes là. Elle ne passe pas. Elle ne va pas passer ici. Voilà, ça vous a bien souillé, oh, et j'étais trop fière. J'ai déconseillé. J'ai appelé mon petit frère Blé Goudé. Il n'est même pas mon petit frère. On peut avoir le même âge. Moi, j'ai 42 ans. J'ai appelé Blé Goudé. J'ai dit que, ouais, il ne faut pas aller boycotter NK. Au lieu d'aller boycotter NK, va boycotter un homme comme toi. Oh, ils ont tourné pour dire que j'ai dit qu'on a boycotté le couple. C'est un chanteur, il est une star. Il a pris, j'ai laissé le voice. Ils ont détourné pour dire que j'ai dit qu'on a boycotté. J'ai dit que Père Njansan. Ils ont dit que j'ai dit que Njansan. Ils ont carrément mis ça. Il a pris le voice, il l'a envoyé. Parce qu'il voulait lui dire que boycotte un homme comme toi. Au lieu d'aller dire que tu vas t'affronter à un homme face to face. Ils ont dit que pourquoi moi je dis qu'on ne peut pas boycotter. L'autre est star, l'autre est chanteur, il est artiste. Il est quoi? Quand même, arrêtons un peu. Ils ont voulu détourner pour faire le buzz, ça n'a pas pris. Les gens ont compris ma façon d'avoir raisonné. Les gens ont compris que pour moi c'est une façon de dire que non, on ne fait pas. Blé Goudé a envoyé ça dehors. Blé Goudé a mis. Blé Goudé que moi, ma faute, je devais être à sa dot. Il fait la dot là. Je lui ai dit que tu es en train de faire la dot, tu m'invites. Je vais venir à ta dot. Mais, tu peux maintenant faire le brancata et tout ça. Maintenant, il a donc fait, ça n'a pas marché. Qui a gâté quoi? C'est lui qui a gâté le fait que je ne peux pas aller à sa dot. Parce qu'il ne m'a pas écouté. Je lui ai dit que non. Il ne m'a pas écouté alors qu'il m'avait invité. J'ai accepté comme une soeur. Benaïs va aller m'asseoir à la dot. Non.
Moi, je suis faroteuse. J'allais arriver à sa dot. J'allais faroter les mamans. J'ai changé même, j'allais faroter les mamans. Les abeilles, n'oubliez pas, on va faire une descente chez la reine galloise. Les enfants différents, on fait la descente, parce que si on peut préparer les t-shirts, on va faire la descente lors de mon deuxième voyage, parce que là, je n'ai pas beaucoup de temps. Comme ça, vous aurez le temps de vous préparer. On va faire la descente en janvier. Parce que je vais rentrer là, je reviens. On va faire la descente quand je reviens. Parce que comme ça, il y aura beaucoup de benguis. Il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Beaucoup d'amis, des connaissances, beaucoup de gens qui veulent aussi partir. J'ai rencontré la reine galloise. J'ai voyagé dans le même vol avec elle. On était très contents de nous voir. Donc, on va faire une descente, les abeilles. On a fait les t-shirts. Ceux qui voudront, vous venez. On va faire la descente là-bas. Parce qu'on va descendre en vrai la team PDG. Parce que ce qu'elle fait, c'est encourageant. Ce qu'elle fait, c'est bien. Ce qu'elle fait, c'est bien. C'est une très bonne chose. Et je suis fière parce que c'est mon produit. C'est un produit que vous le voulez ou pas. C'est un produit de la team PDG. Et je suis fière. Je suis aussi fière de Bosangui. Parce que Bosangui a déposé les armes. Ils ont vu que me combattre, ça ne sert à rien de combattre une fille qui ne vous gère pas. Fleur de lys, une dérangeuse. La chèvre a déposé les armes. Je n'ai pas compris. Que la chèvre est là. La chèvre qui m'a fait les menaces. La chèvre est là. Viens, allons m'arrêter. La chèvre Bosangui qui m'a insulté pendant des années. Bosangui, j'ai vu que Bosangui au Cameroun. Fais une action contre moi. Je suis là. Bosangui qui m'a insulté pendant. Elle avait dit que la guerre allait durer longtemps, longtemps. Pourquoi elle dépose les armes? On est là au Cameroun, non? Elle dépose pourquoi? Elle m'a combattu pour rien. Elle a vu que son énergie. J'ai compris que c'était l'Antoumbim. L'Antoumbim, la nièce. Comme son gars était go. C'est ça qui l'a traumatisé. Comme il est revenu, elle a déposé. Vous avez vu comment les femmes sont? Donc, toute la guerre qu'elle me faisait là, elle faisait passer son mari était parti. Maintenant que son mari est à la maison, est-ce qu'elle m'insulte encore? Elle est assise dans son mariage, en train d'enjoy. Vous l'avez vu me combattre encore? Elles m'ont attribué tout ce qui arrive au Cameroun. Les femmes là disent que c'est moi. Oh, Fleur de Lilo. Oh, c'est elle qui a fait que. C'est monté, c'est descendu, c'est elle. Oh. Tout, elles disent que c'est moi. Pourquoi avoir déposé les armes? Pourquoi? Pourquoi déposer? Il fallait continuer. Noyau dur. Qu'au noyau dur. Tu as vu que tu as couru dans le sac. Ça m'a fait quoi? Vous combattez une personne qui ne vous a jamais rien fait. Qui n'est pas votre ami. Je ne vous connais pas. Vous êtes nombreux. Je ne vous connais pas. Vous me combattez. Alors que vous ne connaissez pas. On discute un homme ensemble. Vous n'avez pas dit que je suis lesbienne. Hein? Vous me combattez. Je connais. On est sorti. On a sorti le même homme. Non. Tu m'as combattu, tu as déposé encore, toi seul. Pourquoi avoir déposé? Je ne voulais pas que tu déposes. Je voulais que tu continues. Tu mets ton énergie, tu danses. Tu prononces mon nom comme tu pourrais. Pourquoi déposer? Pourquoi même depuis la personne ne s'adresse à moi? Pourquoi? Flo, la télécommande. Attaque, télécommande de Facebook, ça commence à jacasser partout là. Quand j'appuie la télécommande, il n'y a pas de sujet. Je suis au Cameroun, parlez de moi, non? Chaque personne qui parle de moi, je réponds. J'ai le temps. Oui. On va la combattre. Elles ont fait les associations. Aide-moi à détester. Ça les a dépassés. Dépassés jusqu'à dépasser. Vous ne combattez pas quelqu'un que c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé que soit où je suis. Vous avez compris, non? 14 ans de pouvoir sans partage. Je ne partage mon pouvoir avec personne. Je tiens les bâtons de commandement. La personne qui n'est pas contente, elle suce le courant. Elle suce le courant. Ouais. La personne qui n'est pas contente, maman. Faut une dictature de ça. Je ne partage avec personne le pouvoir. J'ai dit que je peux faire la paix avec tout le monde. Mais il y a les personnes que j'ai décidé. Plus jamais. Oui, il y a des gens qui ont décidé que même pour lui, c'est fini.
Parce que quand les gens restent, ils ne répondent pas, ils ne calculent pas. On croit que non. Il ne suffit pas de s'asseoir et dire que les gens ne sont rien. Moi, je sais que je suis quelque chose. Parce que j'ai fait, on a vu. Je ne dis pas on. Je suis l'enfant de personne. J'ai fait pour moi-même, on a vu. N'en déplaise. Voilà. C'est comment? Calamongo ne tourne pas vos cerveaux, comment? Oh, elle est partie là-bas chercher Calamongo. Elle est partie toucher. Allez toucher aussi, non? Vous êtes là, vous ne travaillez pas. Vous pensez que c'est aller sur les marabouts de Facebook qui va vous faire réussir. La vie, c'est le travail et l'intelligence. Si c'est 100 francs, je mange 80, je garde 20 francs. Vous comprenez un peu? Une femme indépendante ne peut jamais souffrir. Parce que être indépendant ne veut pas dire qu'un homme va venir te draguer, va t'escroquer. Non. Un homme est fier de dire que celle-là, c'est ma femme, celle-là, c'est ma copine. C'est comme ça. Même au Cameroun, les filles ne comptent plus que je suis belle, machin, tout ça. On mange ça. Une femme dit que je travaille, je fais telle chose. Je suis pas que wow, je suis belle, je suis belle, mais le genre, c'est ça qu'on mange. Les filles comme ça qu'on ne peut même pas présenter à la belle famille. Maman, quand me drague, il me présente à sa famille. Il n'aura honte de rien, maman. Comment? Hein? Quand me drague, il me présente. Celle-là, c'est ma femme. Hein? Il y avait un gars qui n'a pas de soeur. Parce que vraiment, les belles soeurs là. Les belles soeurs là, tous mes potes là. Elles vont prendre ça pour que donne-moi. Le gars qui me drague, il ne veut pas qu'il ait les soeurs, pardon. Il ne veut pas. Il faut un gars qu'il se souffle, même ses soeurs sont dans le mariage. Que ça. Je veux un gars qui est déjà en haut. Hein. Je veux un mari qui est déjà en haut, que ses soeurs sont casées dans les bons mariages. Pas le genre de gars que. C'est ceux dont les commandements, elles sont en l'air, elles n'ont pas de mari, mais elles viennent commander dans notre mari. Jamais. Jamais. Je veux un gars que ses soeurs mangent matin, midi, soir. Pas que bonjour, donc m'a tapé. Maman, vous aimez demander. Ouais, vraiment les Africains, vous êtes terribles. Vous aimez demander. Bonjour, donc m'a ta montre. Ma belle soeur, je ne veux pas le genre de gars là. Ma belle-sœur, pardon, tu me laisses ta grève si en partant. Oui, ma belle-sœur, pardon, les enfants n'ont rien à manger, donne-moi les pâtes dans le conteneur là. Oui, donne-moi la farine. Donne-moi... Ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas un gars que ses soeurs vont me demander les choses. Non. Je veux un gars que les soeurs sont positionnées, que mes belles-sœurs m'invitent. Elles me disent encore que notre belle-sœur, voilà, la voiture te dépose. On ne veut pas te voir prendre la moto. Je veux un gars que ses soeurs sont bien. Je veux un gars que sa mère ne cherche pas à savoir si c'est monté, si c'est descendu. Je veux un gars que... Oh. Maman, le gars que je veux, vous allez fabriquer et me donner, maman. Pas un. Dis à Flo que non. Comment? Dis à Flo qu'elle m'a gardé quoi? Qu'elle m'envoie le parfum. N'est-ce pas, elle vend les parfums en euros. Dis à ta femme là que dis à ta femme. Moi, je ne veux pas les belles soeurs qui vont m'appauvrir encore. Parce que moi, je n'ai rien. Si c'est que je tombe encore sur les belles soeurs qui vont m'appauvrir, que quand elles viennent ici en partant, je la vois en train de partir avec l'eau. La, c'est l'eau de la France. Donc, moi, je pars avec. Ouais, tu vas même me donner quoi? Ouais, ma belle soeur. Ouais, ma belle, c'est ton frère. Mon frère t'aime beaucoup. Moi, je ne tombe plus dans le genre de piège là. Je suis une gaquée. Quand un gars va m'épouser, ses soeurs, si elles venaient tous les jours, je n'entre plus tous les jours. Il n'y a pas que. Vous savez que c'est au début, non? Quand un homme est célibataire, quand il a une femme, c'est plus la même chose. Hein. Il a dit que mon gars qui va me prendre que le mariage. Si ses soeurs traînaient là tous les jours, hey, ça ne suffit pas comme ça. Je vais parler pour pas. Si le frère parle, je rentre chez moi normal. Est-ce que c'est que je suis venu en mariage que c'est lui qui m'a apporté tout quoi? Oui,
S'il parle fort, je rentre, je viens rester chez moi, non? Je rentre, non, ma. S'il ne marche pas, comme on s'arrange, non? Tes soeurs, telles, qu'elle, parce qu'il y a les filles là, elle a 30, elle a 40 ans, elle vient encore chez son frère. Tu la vois, elle a déjà les gars, mais elle habite chez son frère. Jamais. Tu n'as pas le gars, tu habites. Tu pars en mariage ou tu vas en location. Quoi? Donc moi, je vais venir là, si j'ai mon gars. Je ne peux même pas sortir là, comme il fait chaud là, ils sont même sans caler pour que je tourne par sa soeur assise au salon. Sa soeur, oh, nanani, nana, pourquoi? Moi, je veux un gars qui est. Je veux un gars qui est. On est une place. Je veux un gars, une place. Pas le Jacques, wow, 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 wow. Quoi? Ses enfants encore, oui. Les enfants, oui, normal, qui seront les miens et qui vont marcher comme je veux. Oui, pas les enfants manipulateurs. Maman, il va commencer à appeler au téléphone. J'élève un enfant, l'enfant la marche comme je veux. Ce n'est pas, allô, maman, j'ai pris deux yaourts et c'est énervé. Ben, écoute, ben, tu peux manger ce que tu veux. Mais tu n'appelles pas ta mère tous les jours pour donner les comptes rendus. Tu vis là, tu respectes ton père, tu respectes sa femme. Voilà, c'est pas tu appelles ta mère, petit, tu dis, allô. Oui, maman, la femme de papa là, qui est venue de la France, là, vraiment, elle m'énerve trop. Elle m'énerve, vraiment. Depuis qu'elle est là, papa ne... Papa, franchement, papa, c'est comme si papa ne nous aime plus. Non, papa vous aime toujours, hein, mais il y a sa femme qui est là. Hein. Vous avez compris, non? Moi, j'avertis seulement hein, que le gars qui vient, il commence à dire d'avoir assez. Et quand je suis fâchée, quand le gars va un peu faire un genre là, quand je suis fâchée, je vais wattiser. Et moi, quand je suis fâchée, je vais faire la robe. Si le gars, moi, les gars qui vont, oui, l'enfant a dit qu'il a, je vais te donner. Quoi? Ouais, ma fille m'a dit qu'elle voulait manger. Tu vois. Et c'est toi qui es le patron, c'est toi qui cuisine ici. Plus jamais. Je dis que j'avertis le gars que plus jamais. Je dis que plus jamais tu me dis que l'enfant a dit que les enfants manipulateurs. Moi, je coupe ça tout et je commence à wattiser directement. Je parle à son père directement. Je commence à parler. Écoute, tu me sors de partout. Tu parles de quoi là? Tu dis ta fille a dit ta fille, alors c'est moi qui t'ai épousé ta fille. Faut arrêter. Hein. Je commence à wattiser maman quand je suis énervée. Oh. Wattisage de ça. Donc le gars qui va me draguer là, commencez d'abord à former vos enfants que votre mère. Les abeilles, vous n'avez pas de père. Hein. Maman, je vous ai toujours dit que vous avez un père, tout ça. Vous n'avez pas de père. Oh. Vous n'avez pas encore un père. Vraiment. Bon, les pères de maintenant là, vraiment. Les pères de maintenant. Même Maguida, déception. Oh, ah. Même votre père Maguida, la déception est de taille, maman. Votre père Maguida, hein? Le mensonge de ça. Adama Flore, on peut te mentir comme ça, tu crois. Votre père Maguida, même l'autre là n'a pas marché. Dans les Sussongo, Sussongo jusqu'à demain. Maguida est dans les Sussongo. Mais vous avez un père en vue, hein? Vous avez un père là. Dès que c'est bon. Vous avez un père en vue là. Mais on va pas les valider. Ouais, quelqu'un dit que. Que oui, et Amé, Kamé, quoi? Peut-être encore. Mais l'autre là, c'est que j'ai fini alors que ma part de mes quoi? Quand il va doser, qu'il mange son midumba là, il dose seulement un ta tête commence à jeter l'air, non? Comment? Donc vous allez accepter, vous pouvez accepter. Ne tentez plus ça. Hein? Et notre père, Amé Kama, dit que vous, franchement, vous les enfants si. Non. Un gars qui marche à pied. Piéton, piéton, maman.
Moi, monsieur piéton, il est piéton. C'est comme si c'est deux bras cassés, non, hein? Qui va aider qui? Quand même. Marche sur le soleil. Notre père, amen, amen. Ne tentez plus ça. Plus jamais. Vous avez compris? Oscar, il est parti, il dit que quoi? Il va venir. Qui va venir me doter avec les poules? Combien de poulets il a prévu? Pour la dot. Pour le toquer pour dire, il a prévu combien de poulets? Hein? Ces poulets, on a pondu les œufs. Quand il va garder son poulailler, il vient nous annoncer qu'il a 3000 poulets. Même 3000, c'est petit. Même 6000. Hmm? Il y a combien par mois ici? Hein? Non, ce n'est pas votre père, c'est votre tonton seulement là-bas. Non, ce n'est pas votre père. Mm-mm. Comment? Ah, je bois l'eau ici. Hein. Tentez plus ça. Bon. Maman. Il y a une tour là qui me menace depuis jusqu'à... Attendez, ça fait combien de temps que je suis en direct? Je dois couper mes mains. Il est 13h. Maman, la nourriture là ne cuit pas. Oh, j'ai faim là. Voilà, demain mon programme c'est quoi? Je vais à Tanya Mode à Bounamoussadi. Je vais à Tanya Mode à Bounamoussadi demain. Ça fait combien de minutes? Pardon, marquez un peu... Flore, la légère, ouais, n'est pas une femme pour me dire. Quand vous me voyez en direct comme ça, vous êtes contente. Béatrice Wanji, tu vas bien? Bonjour, laisse-moi. Les marabouts, franchement, vous-même, vous, franchement, ça ne sert à rien. Vos histoires de marabouts que vous venez mettre à vous contacter sur WhatsApp pour faire quoi? Ça, c'est des conneries. Ouais, Billy, tu vas faire la photo avec David Eto'o. Tu crois que tu as atteint le 9? Ouais. David Eto'o, son porte-monnaie, c'est Samuel Eto'o. C'est son porte-monnaie. Tu fais la photo, tu crois que tu as déjà accroché la main. Hein? Merci. Eh, hey, tu demandes qu'on t'aide, même les pros. Parce que quelqu'un casse ses pieds au stade. Vous, les Africains, vous aimez trop ça. Donc, Samuel Eto'o casse ses pieds au stade. Il faut que, absolument, il doit venir vous aider. Hein? On doit distribuer l'argent. Quelqu'un qui ne travaille, même si on distribue, tu vas toujours manger tout. Hein? Il a passé son temps. Ne lui donne pas l'occasion de dormir là-bas. Et si tu vas beaucoup perdre. Apparemment, quand il dort quelque part, on dit que Billy, quand Billy dort quelque part, il pisse sur le matelas pour laver les assiettes. Il coupe que le matelas des assiettes. Il coupe l'éponge du matelas où il dort pour aller laver les assiettes. Oui, qu'il aille vendre l'eau glacée. Il a vendu l'eau glacée. Voilà où il pleure, Billy. C'est pas moi qui dois vivre comme ça. Écoutez, tu ne peux pas vivre au Cameroun comme un clochard. 6 mois. Attends, regardez. Ouais. Si moi je vis au Cameroun comme un clochard. Moi, toi tu es quoi? Toi tu es qui? C'est pas moi qui dois vivre comme ça au Cameroun comme un clochard. Écoutez. Je ne dois pas vivre au Cameroun comme un clochard. En 6 mois, il fait 6 mois je vis au Cameroun comme un clochard. Moi Billy Yakeli, moi si, avec tous ces services rendus, je dois vivre au Cameroun comme un clochard. Je dois commander pour manger. Je dois commander pour dormir. Je dois commander pour vivre. Je dois commander tout. Et pourtant il y a quelque chose. Et pourtant, c'est un personnage qu'on ne doit même pas négliger. C'est un héros national, man. Prendre tous ces risques
tous ces risques que je vois que j'ai parcouru. Toute cette perte, ce travail que j'ai perdu, cette maison que j'ai perdu, tant que j'ai perdu. Je viens encore au Cameroun, je perds encore ma dignité. Je viens encore au Cameroun, je perds tout. Jusqu'au niveau où je me retrouve à la rue. Je me retrouve à la rue. De qui se moque-t-on? Je ne suis même pas là pour dire, pour demander l'audience à quelqu'un. Je ne suis plus au niveau où on m'a appelé pour me dire ne fais pas le direct là. Je vais te dire. Mais papa, montre-moi sur la balançoire avant de parler. Là, souffle, avant de te regarder, papa. Je ne souffle pas avec quelqu'un. Hey. Quand je dors sans manger là, je ne dors pas sans manger avec quelqu'un. Attendez. Donc vos petits conseils de haut et bas pendant le direct là, allez vous faire foutre avec. Ah bon, si hein? Il va venir parler dans mon direct bizarrement. Je veux le bloquer, mieux il ne tienne pas. Eh! Hey. Il va venir avec ses conseils. Qu'il faut que je fais foutre avec ses conseils. Parce que là, je suis là, je souffre depuis 6 mois. Je n'ai pas vu que quelqu'un m'a. Hey, que quoi? Je vis au Cameroun comme un clochard. Moi, Billy Yakeli. Moi, si. Avec oui. Tous ces services rendus. Je dois vivre au Cameroun comme un clochard. Je dois demander pour manger. Je dois commander pour dormir. Je dois commander pour vivre. Hein? Je dois commander tout. Et pourtant, il y a quelque chose. Et pourtant, c'est une personne, un personnage qu'on ne doit même pas négliger. C'est un héros national, man. Prendre tous ces risques. Tous ces risques que je vois que j'ai parcouru. Toute cette perte. Ce travail que j'ai perdu, cette maison que j'ai perdu, tant que j'ai perdu. Je viens encore au Cameroun, je perds encore ma dignité. Je viens encore au Cameroun, je perds tout. Jusqu'au niveau où je me retrouve à la rue. Je me retrouve à la rue. De qui se moque-t-on? Je ne suis même pas là pour dire, pour demander l'audience à quelqu'un. Je ne suis plus au niveau où on m'a appelé pour me dire ne fais pas le direct là, je vais faire le direct. Hey. Parce que quand je souffre là, je souffre seul. Ne souffre pas avec quelqu'un. Quand je dors sans manger là, je ne dors pas sans manger avec quelqu'un. Donc vos petits conseils de haut et bas pendant le direct là, allez vous faire foutre avec. Celui qui va venir parler dans mon direct bizarrement, je veux le bloquer, mieux il ne vienne pas. Celui qui va venir avec ses conseils, qu'il va se faire foutre avec ses conseils. Parce que là où je suis là, je souffre depuis 6 mois. Je n'ai pas vu que quelqu'un m'a appelé pour venir me conseiller. Je n'ai pas vu que quelqu'un m'a envoyé un orange money pour que je puisse me prendre au moins sur le taxi. Je ne vois personne. Donc vos conseils pendant mon direct et vos marchés et consorts, gardez ça pour vous. Tu m'as sauvé. Gardez ça pour vous. J'aimerais parler du Cameroun réel. Du réel Cameroun, du vrai Cameroun que moi je vis. J'aimerais parler du Cameroun que moi je vis. J'aimerais parler de ce que je vis au Cameroun. Qui se rappelle de la gifle de Lyon? Qui se rappelle de ce jeune Camerounais qui a pris son courage d'aller dire à Maurice Kamto devant sa maison que si on ne doit pas toucher le président? Qui se rappelle? Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes avec la justice française. Je me retrouve au Cameroun. Oui, je suis au Cameroun. Je suis dans le pays pour lequel je me suis battu. Dans le pays pour lequel j'ai donné toute ma vie. Dans le pays pour lequel j'ai perdu ma maison. Dans le pays pour lequel j'ai perdu mon boulot. Dans le pays pour lequel j'ai perdu ma dignité. Je suis dans le Cameroun aujourd'hui. Presque un an aujourd'hui. Voilà le Cameroun. Voilà Billy le gifleur devant vous. Je ressemble à quoi aujourd'hui? Je ressemble à quoi? Je suis qui? Je suis devenu quoi? Après tout cet acte-là. Après tout ce travail. Je suis au Cameroun. Monsieur le chef de l'État, Paul Biya, papa, je suis au Cameroun presque déjà un an. Qui te suit? J'ai eu à donner des doléances. Qui te suit? Vous envoyez une lettre de doléances. N'importe quoi. Voilà ce Billy aujourd'hui. Regarde-moi quelqu'un. Parce que le président Paul Biya te suit. Hein? Voilà ce Billy aujourd'hui. Adama, il n'a rien dû à manger. La honte de si. Moi, Billy Yakeli. Moi, si. Avec tous ces services rendus. Je dois vivre au Cameroun comme un clochard. Je dois commander pour manger. Je dois commander pour dormir. Je dois commander pour vivre. Je dois commander tout. Et pourtant, il y a quelque chose. Et pourtant, c'est une personne, un personnage qu'on ne doit même pas négliger. C'est un héros national, man. Prendre tous ces risques. Tous ces risques que je vois que j'ai parcouru. Quel héros national? Toute cette perte.
ce travail que j'ai perdu, cette maison que j'ai perdu, tant et tant, et tant, et tant, et tant, et tant que j'ai perdu. Je viens encore au Cameroun, je perds encore ma dignité. Je viens encore au Cameroun, je perds encore, je perds tout. Jusqu'au niveau où je me retrouve à la rue. Je me retrouve à la rue. De qui se moque-t-on? Je ne suis même pas là pour dire, pour demander l'audience à quelqu'un. Je ne suis plus au niveau où on va m'appeler pour me dire ne fais pas le direct là, je vais faire le direct. Hey. Parce que quand je souffre là, je souffre seul. Appelle je ne souffre pas avec quelqu'un. Quand je dors sans manger là, je ne dors pas sans manger avec quelqu'un. Donc vos petits conseils de haut et bas pendant le direct là, allez vous faire foutre avec. Celui qui va venir parler dans mon direct bizarrement, je veux le bloquer, mieux il ne vienne pas. Celui qui va venir avec ses conseils, qu'il va se faire foutre avec ses conseils. Parce que là où je suis là, je souffre depuis 6 mois. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a appelé pour venir me conseiller. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a envoyé un orange money pour que je puisse me prendre au moins sur le taxi. Je ne vois personne. Tu donc vos conseils pendant mon direct, ils vont marcher tout et qu'on soit. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. J'aimerais parler du Cameroun réel. Du réel Cameroun, du vrai Cameroun que moi je vis. J'aimerais parler du Cameroun que moi je vis. J'aimerais parler de ce que je vis au Cameroun. Qui se rappelle de la gifle de Lyon? Qui se rappelle de ce jeune Camerounais qui a pris son courage d'aller dire à Maurice Kamto devant sa maison que si on ne doit pas toucher le président Paul Biya? Qui se rappelle? Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes avec la justice française. Je me retrouve et au Cameroun. Je suis de Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, oui, parce je suis au que Cameroun. Tu ne salues pas les gens. Je suis dans le pays, où, dans le pays dans le pour lequel je me suis battu. Dans le pays pour lequel j'ai donné toute ma vie. Dans le pays pour lequel j'ai perdu ma maison. Dans le pays pour lequel j'ai perdu mon boulot. Dans le pays pour lequel j'ai perdu ma dignité. Je suis dans le Cameroun. Presque un an aujourd'hui. Voilà le Cameroun. Voilà Billy le gifle devant vous. Je ressens pas. Je ressens. Tu as bien fait la clim. Les clims bien. Il faut me dire les clims qu'on va mettre au salon. Après tout ce travail. Je suis au Cameroun. Monsieur le chef de l'État, Paul Biya, papa, je suis au Cameroun presque déjà un an. J'ai eu à donner, faire des doléances. Je vous ai envoyé une lettre de doléances. Parce que tu as giflé quelqu'un. Voilà ce pilier pas... aujourd'hui, à la rue. Voilà ce pilier aujourd'hui, il n'est pas bien plus à manger. Voilà ce pilier aujourd'hui. Qui a fait un projet, comme on m'a demandé de faire un projet. J'ai fait un projet, j'ai déposé. Oui, on doit déposer. Rien. Je suis devenu clochard dans mon propre pays. Je suis devenu ridicule dans mon propre pays. Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. J'ai tout perdu dans ma vie. Pour le Cameroun. Mes chers frères et sœurs, vous qui me regardez, je n'ai que mon cœur pour pleurer à l'intérieur. Personne ne me décroche plus au téléphone. Personne ne me décroche plus au téléphone. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou peut-être mon acte était quelque chose, peut-être non. Mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je vais vous le prouver. J'ai tout perdu. J'ai l'interdiction. J'ai eu l'interdiction d'entrer dans le territoire suisse à cause de ce combat. Jusqu'en 2023. J'ai l'interdiction d'entrer dans le territoire français. Parce que beaucoup de personnes restent derrière leur téléphone. Ils parlent, ils disent des choses qu'ils ne savent pas. D'autres viennent raconter ce qu'ils vont raconter. Mais moi, je sais et connais la vérité. Moi, je vous le dis en vérité et en... Si je dois combattre pour le Cameroun et finir comme je suis en train de finir là, c'est pas normal. J'ai des enfants. J'ai des familles, je suis un père de famille. Je suis même déjà repoussé par la famille parce que j'ai décidé de soutenir et mourir pour mon pays. Vous-même, lisez. Voilà la Suisse qui a écrit sur moi. Lisez. J'ai besoin d'un local pour pouvoir poser ma tête. Parce que là où je suis là, je n'ai plus de maison. Je dors à la rue. Je vous le dis, je dors à la rue. Paul. Tout ce que je veux vous rappeler, c'est que j'ai compris que héros aujourd'hui et malheureux. Je mens encore. Je
va encore. Il parle encore. Mais aujourd'hui, je suis comme un torchon. Je suis comme un mouchoir qu'on a fini d'utiliser, on a jeté. Me voici aujourd'hui. Je suis abandonné par moi-même. Parmi eux, ne me plaint plus au téléphone. Je suis fatigué. Je suis fatigué de souffrir. C'est pas moi qui dois souffrir dans le Cameroun avec tout ce que j'ai fait. Je me suis fait arrêter. J'ai eu des interdictions. Je me suis fait interpeller. La base m'a porté plainte jusqu'à presque 99 plaintes contre moi à cause de ce combat. Parce que je me suis donné à fond. J'ai tout donné de moi physiquement. Il dit physiquement, moralement, spirituellement. J'ai dit, je porte le fardeau sur ma tête. Et je suis prêt à rentrer. S'il fallait que je défende les institutions de mon pays, je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis au Cameroun. Mais voici, je vis à l'extérieur. Je vis dehors. Je vis dehors. Je n'ai même pas où manger. Je n'ai même pas où dormir. Pendant que les autres dorment sur les lits, moi, je cherche comment je vais marcher avec mes valises. Pendant que les autres mangent, je les suis, je les regarde. Et pourtant, hier, je ne manquais pas cela. J'avais ma maison. J'avais mon travail. J'avais. J'avais planifié ma vie. Mais j'ai refusé d'être. Mais j'ai refusé d'être auprès de ceux-là qui insultent. Si vous n'avez pas peur de Dieu, des hommes, et au moins c'est peur de Dieu, je ne peux pas vous mentir. Je souffre énormément. Je dis énormément. Je suis devenu ridicule à un point où je ne sais même pas où mettre la tête. Je n'ai pas où dormir. Je n'ai même plus de quoi manger. Je ne sais même plus où mettre la tête. Je ne sais même plus où aller. Je suis comme ça, je tourne comme un mauvais esprit. Je suis obligé de tirer mes valises là-bas. De l'autre côté. Donne-lui encore ce qu'il a besoin. J'ai déjà même d'abord maigri. Tu vas maigrir plus que ça. Je suis devenu. Je ne sais pas. Oui, donne-lui l'argent qu'il veut. Attendez, on va l'écouter. Ce fanfaron qui est parti crier chez le professeur. Il est parti là-bas crier. Tu vas pleurer plus que ça. Attendez. On va top que t'écouter. Il go cry. Mets le truc. Tu vas pleurer plus que ça. Lent. J'ai parti faire le bruit chez le professeur Maurice Kamto. Tu parles ce que tu parles au professeur Maurice Kamto. Et la vie. Bamileke, comme si tu vaux un Bamileke en quoi? Comme au Cameroun, comme un clochard. Rien. Je ne dois pas vivre au Cameroun comme un clochard. Tu vas être 200 ans de malédiction dans ta vie pour avoir fait le bruit devant la maison du professeur, du grand professeur Maurice Kamto. Tu as compris? Tu croyais qu'on va te donner ce que tu comptes te décore. On va te décorer que tu es qui? Ashuka. Tu as compris? Tu croyais que quoi? Ashuka. Tu vas sauf que wa. Bien même. On va t'écouter pleurer ta vie. On t'écoute pleurer ta vie. Le gars, ça a pris beaucoup d'argent. Hé, maman. Le Cameroun, c'est avec les dépenses. Tu as pris, je dis que rien que pour adapter, tu as pris le matin. Ça fait là combien qu'on te donne là? Quel travail? Il fait 6 mois, je vis au Cameroun comme un clochard. Moi, Billy Yakele. Moi, si. Avec tous ces services, je suis devenu la honte. Je dois vivre au Cameroun comme un clochard. Je dois demander pour manger. Vous le jurez. Je dois demander pour dormir. Attendez, je dois demander. Je reviens. Ce que manquait tout, et pourtant il y a quelque chose, ce physique moral d'ailleurs, et c'est une personne. N'a rien vu. Il aussi. Je cherche où il y a ces vidéos-là.
Ouais. Parce que tu as giflé un Camerounais. J'aurais pu peut-être les comprimer pour me suicider. Un père d'enfants. Maudia. Je suis père de 4 enfants. Je n'inscris aucun de mes enfants en septembre à l'école. À cause de ce combat patriotique. Mes enfants ne manquaient jamais un cahier pour aller à l'école. Mes enfants ne manquaient jamais un biscuit. Parce que je me battais. J'ai marché à pied pour arriver en Europe. Je n'appelle pas le nom de quelqu'un dans ma vidéo. Je n'insulte pas quelqu'un. Ceux qui vont venir m'insulter après, tant pis. Pour répondre, je ne suis pas à votre niveau. Je ne peux plus me rabaisser au niveau de certaines personnes. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi et de mes enfants. Regardez comment je vais sombrer. Regardez comment je suis en train de finir. Je ne suis pas footballeur comme les autres. Je ne suis pas voleur comme les autres. Mais je pense que moi aussi, j'ai porté le drapeau camerounais sur mon dos. Il a porté le drapeau camerounais encore. Je pense que j'ai aussi porté le drapeau camerounais sur mon dos. Mes chers frères camerounais. En giflant quelqu'un. Je n'ai plus où dormir. Je n'ai même pas de quoi me déplacer. Je suis devenu la honte de toute la nation, surtout dans Yaoundé. Tu vas devenir plus que ça. Je suis devenu ridicule à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Au point où je suis obligé de me cacher. Me voici. Voilà votre héros. Voilà votre héros national qui est devenu malheureux national. Oui, je le dis. Parce que c'est ce que je vis. Voilà 12 ans d'Europe dehors. Voilà 12 ans que vous voyez là. Voilà 12 ans, me voici 12 ans. Je suis devenu quoi après? Je suis devenu quoi après? Je suis devenu quoi? Je serai quoi demain si je perds ma vie? Mes enfants seront quoi demain parce qu'ils comptent sur moi. Quand vos propres enfants comptent sur vous, les miens comptent sur moi. Bon, je voudrais d'ailleurs, si vous permettez, allez-y. Entre amis, on a le droit de se dire des choses, même quand elles ne sont pas tout à fait agréables. Vous connaissez très bien l'estime que j'ai pour cette maison, que je considère Billy, comme étonnant. Mais aujourd'hui, je suis comme un torchon. Tu es bien torchon, torchon de la République. Kouakou. Son âge qu'on ne doit même pas négliger. C'est un héros national, man. Prendre tous ces risques, tous ces risques que je vois que j'ai parcourus. Toute cette perte, ce travail que j'ai perdu, cette maison que j'ai perdue, tant que j'ai perdu, je viens encore au Cameroun, je perds encore ma dignité. Je viens encore au Cameroun, je perds encore, je perds tout. Jusqu'au niveau, je me retrouve à la rue. Je me retrouve à la rue. De qui se moque-t-on? Je ne suis même pas là pour dire, pour demander l'audience à quelqu'un. Je ne suis plus au niveau où on m'a appelé pour me dire ne fais pas le direct là, je vais faire le direct. Parce que quand je souffre là, je souffre seul. Je ne souffre pas avec quelqu'un. Ça nous fait quoi? Quand je dors sans manger là, je ne dors pas sans manger avec quelqu'un. Donc vos petits conseils de haut et bas pendant le direct là, allez vous faire foutre avec. Celui qui va venir parler dans mon direct bizarrement, je veux le bloquer, mieux il ne vienne pas. Vous allez finir, what? Celui qui va venir avec ses conseils, qu'il va se faire foutre avec ses conseils. Parce que là où je suis là, je souffre depuis 6 mois. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a appelé. Il a eu les dos. Qui m'appelle? Ouais. Il a dit que vous allez finir, sauf que j'ai vrai. Banderas, c'est où? Banderas a quitté le combat. Hein. Banderas avait eu lui 10 000 euros que le zon l'or a donné. Il vous a détourné, il a fui, il a quitté Facebook, il mange son argent. N'importe quoi. Hein? Qui m'appelle? Feu de Lyon. Qui se rappelle de ce jeune Camerounais qui a pris son courage d'aller dire à Maurice Kamto devant sa maison que si on ne doit pas toucher le président Paul Biya? Qui se rappelle? Aujourd'hui, j'ai eu des problèmes avec la justice française. Je me retrouve au Cameroun. Oui, je suis au Cameroun. Je suis dans le pays où... Ouais, qui m'appelle? Je ne me rappelle pas, Billy. Que tu... Je ne me rappelle de rien. Tu as fait la lâcheté que qui se rappelle que tu... Billy, je ne me rappelle pas, hein. Je ne me rappelle pas de toi. Billy, tu n'es rien. Je ne me rappelle pas moi de toi, hein.
qui sera aujourd'hui? Je ressemble à quoi? Je suis qui? Je suis devenu quoi? Tu n'es rien. Après tout cet acte-là, après tout ce travail, je suis au Cameroun. Monsieur le chef de l'État, Paul Biya, papa, je suis au Cameroun presque déjà un an. Parce que regarde, j'ai eu à Tony faire des doléances. Je vous ai envoyé une lettre de doléances. Voilà ce Billy aujourd'hui à la rue. Voilà ce Billy aujourd'hui. Il n'est pas bien dû à manger. Tu parles, voilà ce Billy aujourd'hui qui a fait un projet, comme on m'a demandé de faire un projet. J'ai fait un projet, j'ai déposé. Tu peux avoir les. Oui, on doit déposer. Le banga. Tu as fait le projet d'importer le banga. Il peut vendre colonne de pas. Je suis devenu clochard dans mon propre pays. Je suis devenu ridicule dans mon propre pays. Aujourd'hui, je n'ai plus de fille. J'ai tout perdu dans ma vie. Tu vas vendre les choses pendant la gagne. Mes chers frères et sœurs, vous qui me regardez, je n'ai que même mon cœur pour pleurer à l'intérieur. Personne ne me décroche plus. Personne ne me décroche plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou peut-être mon acte était quelque chose, peut-être non. Billy, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Billy, je vais vous le prouver. Tu vas vendre les bonbons pendant la canne. Tu écris sur ton plateau. J'ai eu l'interdiction d'entrer dans le territoire suisse à cause de ce combat. Billy Akele. Jusqu'en 2023. Billy Akele. Je vais te reprendre. Et puis, bah, ma soeur, bois mon vent. Billy Akele, tu dis que quoi? Tu dis que quoi, papa? Ah, papa, tu dis que quoi? Hein? On t'écoute. Tu vas souffrir plus que... Il a dit que tu vas voir. Tu as entendu? Voilà que Dieu. On dit que le mal se paye sur terre. Le bien se paye sur terre. Billy, te voilà en train de payer que tu n'as même pas recommencé. On t'écoute. Tu comprends? Hein, qui se rappelle de ces camo héros, donc tu es héros. Adama, je me rappelle pas de toi, tu n'es rien. C'est pas moi qui dois vivre comme ça au Cameroun comme un clochard. Je ne dois pas vivre au Cameroun comme un clochard. En 6 mois, il fait 6 mois, je vis au Cameroun comme un clochard. Moi, Billy Akele, moi si, avec tous ces services rendus, je dois vivre au Cameroun comme un clochard. Je dois demander. Il est comme un rat. La saleté de ça. Là, voilà. Tu dois te demander. Regarde sa saleté. Pourtant, il y a quelque chose. Regardez. Regarde celui qui a insulté un professeur. C'est un personnage qu'on ne doit même pas négliger. Regardez. Il ressemble à quoi? Hein? Regardez tous ces risques. Le manga de ça. Tous ces risques que je vois que j'ai parcouru. Mof. Toutes ces pertes. Ce travail que j'ai perdu. Cette maison que j'ai. Il travaillait où? Mes chers frères et sœurs. Il ne foutait rien en France. Comme vous voyez là. Ce garçon, il était en bas des immeubles pour vendre le ndepa avec l'incassant. Même le ndepa, les Arabes ont refusé de lui donner l'incassant. L'incassant a refusé de lui confier le ndepa. Il était un guetteur du ndepa, en bas des cités à la guillotière. C'était un guetteur. Même ça, là, départ. On connaît les petits Maliens, les petits Sénégalais, là. Les petits Ivoiriens, les Wesh, les petits Camerounais qui sont les Wesh des... Les wesh-wesh des immeubles qui gardent le ndepa là, qui contrôlent l'entrée et la sortie du ndepa. Billy a faim. Un jeune qui contrôle la sortie du ndepa ne peut pas avoir faim. Tu as raté partout. Juste le contrôle, le guetteur du ndepa. Tu comprends? Billy, 100 ans de malédiction. Tu as osé insulter le professeur Maurice Kamto. Pour rien, pour te faire voir. Voilà ça que tu es en train de payer. Tu as raté partout, même guetter le ndepa, tu as dépassé. Pas qu'aller vendre, parce que si on te donne le ndepa, tu vas fumer tout le ndepa. Tu vas taper tout le ndepa. Donc voilà le ndepa, que guetter pour signaler le ndepa à la police. Même ça, tu as fait guetteur du ndepa, ça t'a dépassé. Guetteur, hein, ceux qui lancent l'alerte, quand la police veut entrer déjà dans la cité pour déloger les vendeurs du ndepa. Un guetteur, tu as raté ta vie. Tu comprends? Un guetteur du ndepa. Tu rentres, tu as faim. Tu faisais quoi alors avec les vendeurs du ndepa si tu n'as rien? Le voici qui pleure. Je viens encore au Cameroun, je paie encore ma dignité. Je viens encore au Cameroun, je paie tout.
Billy. Je me retrouve à la rue. Aïe, voilà que tu as payé. Je me retrouve à la rue. Tout ce que tu m'as insulté. Je ne suis même pas là pour demander l'audience à quelqu'un. Hey. Je ne suis plus au niveau où on m'a appelé pour me dire ne fais pas le direct là. Je vais faire le direct. Parce que quand je souffre là, je souffre seul. Tu vas souffrir. Je ne souffre pas avec quelqu'un. Aïe. Quand je dors sans manger là, je ne dors pas sans manger avec quelqu'un. Donc vos petits conseils de haut et bas pendant le direct là. Comme ça, Zogo, aide ton fils. Celui qui va venir parler dans mon direct bizarrement, je veux le bloquer, je ne le dis pas. Celui qui va venir avec ses conseils, qu'il va se faire foutre avec ses conseils. Voilà, regarde, Aïcha. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a appelé pour venir me conseiller. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a... Allez, allez. Alerte, alerte, les filles du Cameroun, toutes les filles de Yaoundé, de Douala, de Bafoussé, partout, remarquez le visage ici. Si vous draguez, n'acceptez pas la chasse de la France. Le gars, si regardez bien ce village, les filles, comment vous dites, vous partez toujours. Le gars, si, quand il dort avec une fille, s'il dort avec toi, hein, il va même voler tes caleçons et ton soutien. Même... Remarquez le visage ici. Si vous draguez, n'acceptez pas, hein, on l'a chassé de la Mbeng. C'est un ancien Mbengi raté. Il est sorti par le bateau. Il est entré par le bateau. Et il est sorti par avion. Pour toujours. Le voici, oh, remarquez le visage ici. Hein. Même la Nyassi ne peut pas, maman. Il fume le nez par les filles, ne tombez pas les filles du Cameroun, les femmes mariées là. Comme vous aimez entendre que Mbeng. Que un gars de Mbeng, vous croyez qu'il avait que celui-ci, c'est un ratatouille. Même la Nyassi ne connaît pas. Il sortait avec un gars. Il sortait avec Victor, un gars au nom de Victor. Il a insecté le monsieur. Jusqu'à la fille, le gars a des gars transsexuels de Suisse. Il sortait avec un gars en Suisse, un trans. Il a même enceinté. Il a nié l'enfant. Tu ne vois personne. Donc vos conseils pendant mon direct. Pas son visage. N'acceptez pas la drague. Gardez sa pardon. Personne. J'aimerais parler du Cameroun réel. Du réel Cameroun, du vrai Cameroun que moi je vis. J'aimerais parler du Cameroun que moi je vis. J'aimerais parler de ce que je vis au Cameroun. Qui se rappelle de la gifle de Lyon? Quand tu es qui? Je ne me rappelle pas. Je me rappelle de ce jeune Camerounais qui a pris son courage d'aller dire à Maurice Kamto devant sa maison que si on ne doit pas toucher le... Tu es qui? On avait pitié de toi, on te jetait là-bas, mouf. Aujourd'hui, il y a eu des problèmes avec la justice française. Je me retrouve au Cameroun. Oui. Oui, je suis au Cameroun. Ça se voit. Ça se voit. Dans lequel je me suis battu. Un chaleur, Gokeleyo. Mais il y avait livré. Dans le pays pour lequel j'ai perdu mon boulot. Dans le pays pour lequel j'ai perdu ma dignité, hey. Je suis dans le Cameroun aujourd'hui. Presque un an aujourd'hui. Voilà le Cameroun. Voilà Billy le chiffleur devant vous. Je ressemble à quoi aujourd'hui? Je ressemble à quoi? Je suis qui? Je suis devenu quoi? Tu n'es rien, tu n'es rien. Dans cet acte-là, après tout ce travail, je suis au Cameroun. La lettre, vraiment. Ce qui m'étonne, c'est qu'il dit que il est quoi, quoi. Il était d'abord quelque chose. Billy, tu étais d'abord quoi? Il était d'abord quoi? Avant d'être ce qu'il est quelque chose aujourd'hui, qu'il était d'abord quoi? Vraiment, la France, là. Voilà même que l'hiver, même la chaleur, go kill you. Moi, si j'ai chaud, j'entre là, il y a le ventilateur. Je m'assois ici où je vais me. Yosh! Hein? Tu t'es vanté, tu dis que quoi? Qui se rappelle de lui? Qu'il est qui? Il était même d'abord quoi? Monsieur le chef de l'État Paul Biya, papa, je suis au Cameroun presque déjà un an. J'ai eu à donner, faire des doléances. Je vous envoie une lettre de doléances. Voilà ce pilier aujourd'hui, à la rue. Voilà ce Billy aujourd'hui. Il n'est pas bien plus à manger. Que tu m'as... Voilà ce Billy aujourd'hui. Qui a fait un projet. Comme on m'a demandé de faire un projet. J'ai fait un projet. J'ai déposé. Oui, on doit déposer. Rien. Je suis devenu clochard dans mon propre pays.
Je suis devenu ridicule dans mon propre pays. Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. J'ai tout perdu dans ma vie. Il avait quoi? Pour le Cameroun. Mes chers frères et sœurs, vous qui me regardez, je n'ai que mon cœur pour pleurer à l'intérieur. Personne ne me décroche. Personne ne me décroche plus. Téléphone. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou peut-être mon acte était quelque chose, peut-être non. Mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je vais vous le prouver. J'ai tout perdu. J'ai l'interdiction. J'ai eu l'interdiction d'entrer dans le territoire suisse à cause de ce combat jusqu'en 2023. J'ai l'interdiction d'entrer dans le territoire français parce que beaucoup de personnes restent derrière leur téléphone et parlent et disent des choses qu'ils ne savent pas. Ils peuvent raconter ce qu'ils vont raconter, mais moi je sais et connais la vérité. Moi je vous le dis en vérité et en... Parle vite, maman me fait mal. Le Cameroun est fini comme je suis en train de finir là. Il a combattu. Il est un militaire. J'ai des enfants. J'ai des familles. Alerte, alerte. Excusez-moi, ce monsieur était militaire. Il a combattu en Afghanistan. Il a combattu où? Il a combattu au Nozo. Il a combattu Boko Haram. Il a combattu quoi? Quelqu'un s'assoit ici. Mes chers frères et sœurs, il a combattu où? Il a combattu au Nozo. Il était militaire. Est-il militaire? Est-il la garde rapprochée? Quelqu'un par Facebook. Comme monsieur les m'ennuie, j'attends que la nourriture cuit. Je suis en train de faire le direct parce qu'il m'ennuie. Donc il prend son téléphone, il m'a fait le direct. C'est qu'il a combattu pour le Cameroun. Il est lent. Tu n'as rien vu encore. Alors ce billet aujourd'hui, il n'est pas bien vu à manger. J'ai vu à donner, faire des doléances. Je vous ai envoyé une lettre de doléances. Presque un an aujourd'hui. Voilà le Cameroun. Voilà Billy le chiffreur devant vous. Je ressemble à quoi aujourd'hui? À rien. À je suis qui? Je suis devenu je quoi? Je n'ai rien. Après tout cet acte. Tu étais d'abord quoi? Après tout ce travail. Quel travail? Je suis au Cameroun. Monsieur le chef de l'État Paul Biya, papa, je suis au Cameroun presque déjà un an. J'ai eu à donner, faire des doléances. Je vous ai envoyé une lettre de doléance. Voilà si tu étais un gars bien lent, c'est la quête pour toi. À la rue. Lent. Voilà ce billet aujourd'hui. Il n'est pas bien dû à manger. Voilà ce billet aujourd'hui. Qui a fait un projet, comme on m'a demandé de faire un projet. J'ai fait un projet, j'ai déposé. Oui, on doit déposer. Rien. Je suis devenu clochard dans mon propre pays. Je suis devenu ridicule dans mon propre pays. Aujourd'hui, je n'ai plus de vie. J'ai tout perdu dans ma vie. Pour le Cameroun. Hey. Mes chers frères et sœurs, vous qui me regardez, je n'ai que mon cœur pour pleurer à l'intérieur. Personne ne me décroche plus. Personne ne me décroche plus. Téléphone. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ou peut-être mon acte était quelque chose, peut-être non. Mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je vais vous le prouver. J'ai tout perdu. J'ai l'interdiction. J'ai eu l'interdiction d'entrer dans le territoire suisse à cause de ce combat jusqu'en 2023. J'ai l'interdiction d'entrer dans le territoire français. Parce que beaucoup de personnes restent derrière leur téléphone. Ils parlent, ils disent des choses qu'ils ne savent pas. D'autres viennent raconter ce qu'ils vont raconter. Mais moi, je sais et connais la vérité. Moi, je vous le dis en vérité. Si je dois combattre pour le Cameroun et finir comme je suis en train de finir là. Il a combattu quoi? C'est pas normal. Tu étais dans l'armée. J'ai des familles. Toi, tu t'occupais. Donc, tu as une famille. Hein? Je suis même déjà repoussé par la famille parce que j'ai décidé de soutenir et mourir pour mon pays. Hey. Pour même viser. Voilà la Suisse qui a écrit sur moi. J'ai besoin d'un local pour poser ma tête parce que là je suis là, je n'ai plus de maison. Je dors à la rue. Tu étais d'abord. Je dors à la rue. Bon. Tout ce que je veux vous rappeler, c'est que j'ai compris que héros aujourd'hui est malheureux. Tu as des papiers, moi j'ai mes papiers. Il n'y a rien du tout.
rien du tout. Péter comme ça là, vos gros diaspora, péter les lesbiennes, les bâtards comme ça là, les bordels en Europe comme ça là, vous avez même détruit le Cameroun avec la prostitution, c'est toujours vous. Allô, maman, tu as fait ça fort aujourd'hui. Achouka. J'en ai marre. C'est pas moi qui dois vivre comme ça au Cameroun comme un clochard. Je ne peux pas vivre au Cameroun comme un clochard. En 6 mois, il fait 6 mois que je vis au Cameroun comme un clochard. Regardez. Moi, Billy Yakili. Il est qui? Voici, avec tous ces services rendus, je dois vivre au Cameroun comme un clochard. Je dois commander pour manger. Je dois commander pour dormir. Je dois commander pour vivre. Je dois commander tout. Et pourtant, il y a quelque chose. Et pourtant, c'est une petite personnage. Maman Billy, Asia for you. Tu as compris? Asia, tu vas souffrir. Que les Amers Kamètes aident, non? Ils vont faire la quête. Je t'ai dit, c'est la canne. Tu peux vendre même les bonbons. Tu écris là-bas, bonbon Benguis ou bonbon Benguete. Tu peux vendre les bonbons à la canne. Tu vends bonbon Benguis, Billy Akele. Tu écris sur le plateau. Tu comprends? Tu vends les chewing-gums, mais ce qui est sûr que quand je vais entrer au stade, que je serai là avec les conteneurs de gars, je vais te pousser seulement avec un côté de ma fesse. Je vais faire ça. Billy, tu vas tomber ton plateau de bonbons et de chewing-gum. Tout ça va se verser. Tu as compris? J'ai giflé. Acte héroïque. Donc c'est l'acte héroïque ça. Tu tapes un autre Camerounais, on te décore. Et là, merci au gouvernement camerounais d'avoir rejeté ce fumeur de Mbanga, ce n'est pas. Il n'est pas un digne fils du Cameroun. Les dignes fils du Cameroun sont les gens comme les nous. Nous, on aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Il a fait quoi? 15 ans de Mbeng. Il finit, il rentre avec la casquette de Ducamé qu'il a volée. Plus ce t-shirt et 500 euros en poche. Adam, on peut être bête comme ça. Tu croyais que tu devais rentrer au Cameroun, être quoi dans le gouvernement? Tu peux écrire ton nom. Tu as passé ton temps à m'insulter jusqu'à les dieux du village t'ont frappé. N'a pas. Voilà ça. On n'insulte pas une mafo comme ça. Voilà comment tu finis. Tu m'as insulté sur ce qu'on dit que, mais tu la connais où? Tu me connais où? Parce que tu voulais, tu parlais comme si tu me connais, les aide-moi à détester parce qu'on t'a dit qu'insulte Fleur de Lille. Tu m'insultes. Quand tu me regardes, les filles là, elles me valent en quoi? Parlons vrai. T'es ceux qui font la bordelerie en Suisse là. Elles nourrissent ces hommes avec. Elles peuvent s'asseoir comme ça. Ceux qui ont abandonné leurs parents, que quand ils arrivent, ils appellent leur mère de venir les voir à l'hôtel. Adama, vous connaissez un peu le genre là, non? Elles arrivent en Afrique, elles appellent leur mère, que maman, retrouve-moi à l'hôtel. Il y a les piquants chez vous. Vous ne partez pas chez vous, pourquoi? Parce que c'est la poubelle. Vous achetez des sacs à main cher, vous mettez le jansan, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous blasez les gens. Moi, on ne me blase pas. Oui. Vous blasez, vous partez, vous choisissez chez les tantes qui ont quelque chose. Pourquoi vous ne faites pas pour vous-même chez vos parents? Pourquoi vous faites l'échange? Vous prenez vos tantes pour faire vos mamans. Vous calculez quelqu'un qui est riche dans la famille, qui est bien positionné. Vous dites que voilà mon père, voilà ma mère. Alors que ta vraie mère vit, elle vend au marché. C'est ça qui t'a nourri, non? Assumez vos parents, mon frère. Même si ton père est quoi, même si ta mère est quoi, c'est ta mère. Pourquoi vous demandez, vous donnez les rendez-vous à vos parents à l'hôtel? Papa, maman, retrouve-moi à l'hôtel. Vous arrivez au quartier quand il fait noir, vous ne venez même pas. La mère, là, voilà, elle prépare encore les nourritures, elle te retrouve à l'hôtel pour que tu partes à l'aéroport. Tu ne pars pas chez vous, pourquoi? Vous ne rentrez pas chez vous, pourquoi? Pourquoi vous arrêtez dans les hôtels, vous donnez rendez-vous à vos parents dans les hôtels? C'est-à-dire que tu arrives en Beng, ta mère quitte le village, elle vient s'asseoir à l'hôtel avec toi. Ou bien à l'appartement meublé. Tu vas traîner, tourner, partir sans même aller voir où elle dort. S'il y a l'ampoule même. S'il y a même l'ampoule de la lumière avant qu'on coupe même les néo, rien. Vous devez rendez-vous à l'hôtel. Maman, je vais encore venir une autre. Vous promettez, vous mentez à vos parents. Je vais. Et c'est comme ça que quand le parent n'est plus là, vous faites les grands deuils. C'est-à-dire que les deuils extraordinaires que vous vantez. Oh, j'ai fait le deuil de ma mère jusqu'à.
J'ai fait le deuil de mon père. Quand ton père ou ta mère était vivant, tu lui as donné quoi? Vous avez fait quoi? Je ne sais pas. Hein, vous avez fait quoi? Pour vos parents. Parce que ça sert à rien de faire le grand deuil. Hein? Le grand deuil avec les grands cercueils, donner à manger à beaux gens. Entre temps, ton parent même qui était, quand ton parent était en vie, et vivait dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, mais pourquoi tu peux investir comme ça? Tu retapes la maison de ta mère alors qu'il n'y a personne qui habite, alors qu'elle est en France avec toi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a l'entretien. Ce sont les gazons naturels. Il faut l'entretien. Donc, je vais mettre à Airbnb. C'est bon pour mettre à Airbnb. C'est même ce que je vais faire au final. Mais ça serait que Louo Mbengui, c'est aux gens qui ont les moyens. Parce que, mon frère, ma télé, dernière sortie de télévision 2021. Samsung 2021, machin là. On appelle ça Coco, c'est l'aide là où c'est quoi là où. Donc il va acheter, Dieu investit quand quelqu'un va venir. Je vais mettre à Airbnb. C'est qui est sûr? C'est au quartier. Mais la personne qui veut la tranquillité, qui vient de Beng avec ses enfants, pour une famille, moi je pense que c'est confortable. Vous pouvez m'avoir le cuisinier en option. Le cuisinier, la femme de ménage en option. Moi, je vais mettre à Airbnb. Vraiment, vous pouvez me donner le montant. Hein, combien je peux même mettre. C'est mieux, non? Comme ça, ça permet d'entretenir la maison et tout. Parce que ça permet d'entretenir. Il faut payer le jardinier. Il faut... Donc, vous donnez-moi le prix qu'il faut mettre pour Airbnb. On met ça, nous, là-bas. Comme ça, quand vous venez, vous restez là. Donc, en fait, c'est peu pour dire qu'on n'insulte pas tout le monde, mon frère. C'est pas tout le monde se lève pour insulter n'importe comment, gars. J'ai fait construire cette maison en 2005. Je n'avais même pas encore. On va dire que je n'ai même pas encore les papiers. Mais ça, c'est mon premier bien que j'ai fait pour ma mère. Donc, je ne peux même pas m'amuser avec. J'ai ma maison, non? Enfin, je n'ai pas encore construit. À l'Opom là-bas. C'est qui est-ce que je veux construire ma maison de rêve? Mais ça, c'est un cadeau pour ma mère. Donc, mon devoir, c'est d'entretenir. Donc, vraiment. Le cadeau qu'un enfant peut faire à ses parents, c'est l'offrir un cadeau. Je suis fière, je peux dire que j'ai réussi mon bain. Ce n'est pas rouler dans les grosses voitures. Tu roules dans la grosse voiture, tu entres en location, mon frère. Tu roules dans une grosse voiture, tu entres en location. Quand on roule dans une grosse voiture, parce qu'on a le chez-soi, tu gardes dans ta barrière. Comment? Tu roules avec une grosse voiture, on te chasse, tu vas mettre tes affaires dans la voiture pour... C'est quoi? Donc, je vais dire qu'avant d'insulter les gens, de mélanger ceux qui sont en Europe, ne mélangez pas tout le monde. Ne mélangez pas, qu'on ne s'asseye pas pour insulter tout le monde. Je connais ma valeur. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. C'est vrai, je déconne souvent, mais c'est normal. Je suis une femme, je suis un être humain. Mais que certaines personnes sachent que eux et moi, on n'est pas pareil. Ils ne doivent pas se permettre, parce qu'il y a le aide-moi à détester, à mélanger, à dire du n'importe quoi. Des 100 ans d'avance sur eux. On peut sortir, on boit ensemble, on n'est pas pareil dans la réflexion. Moi, j'aime le confort de l'intérieur, parce que j'aime rester chez moi. Il n'y a rien qui me chasse. Quand une femme arrange bien le chez elle, elle a le goût de rester chez elle. Qu'est-ce qui va la tirer dehors? Comme je vois certaines femmes de milliardaires là. Je vais bien filmer et vous montrer pour que vous compreniez que ça vous serve de leçon et que ça vous permet, ça vous donne la motivation que si Flore a fait, nous aussi on peut faire. Je vois certaines femmes là, on dit que les femmes des riches. Je ne peux pas concevoir que... Je m'adresse aux filles qui sont au Cameroun, qui sont mariées aux gens qui ont un peu les moyens là. Moi, je ne peux pas accepter qu'une femme est consommatrice, même entretenir la dépasse. Tu es un millier, je ne sais même pas, tu vis avec un millier, tu es incapable de donner les idées à ton mari, que chérie, faisons comme ça que ça soit beau. Ton rôle, c'est quoi? Et à ceux qui, s'y construisent les grosses maisons là, une maison, c'est l'entretien. On ne construit pas une grosse maison par défi. Une maison, c'est l'entretien. Ça ne sert à rien de faire une maison de tige. C'est qui? Pardon? Ah, tonton Blaise!
Hey, Wanda Furushulo. Tiens, je ne sors pas rien. Je peux t'en faire ma clé là. L'enfant est sorti. Hey, tonton Blaiseau, où c'est Chulo? Tonton Blaiseau. Mon comoulo. Malachu. Tonton Blaise. Vraiment, nous a qui? Vous venez à nous, il y a petit. Mais non, nous, petit, non. Vous dites nous comment? On a mouré. Donc, on me joue, on est joué, moi. Ah, on baisse les os, c'est ce moment-là. Ah, ma coupé. Tiens, coupé. Nanga, nanga pas. Non, que je joue, Où suis-je? Donc, on me joue, ou non? Non, non, non. Vous sentez quoi, mais j'ai famille, les joues, mais j'ai rien. Tonton Blaiseau, tinga? Non, tu vois. Au Kango, y aller. Gagan, on est là, moi. Tu es là à Douala là, je m'ennuie, tonton Blaise. Ça fait deux jours que je m'ennuie, je ne suis pas bien. Je n'ai personne pour boire le vin. Deux jours, Kali, bon, hein. Pourquoi? Je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire. Et tout. Je me repose. Ouais, c'est vrai, je me repose et tout. Je coupe. Bisous, bye bye. J'ai ma famille.